C'est bon pour toi? Bonjour à tous et merci d'être venus. La France, c'est l'Auvergne avec quelque chose autour. Ce proverbe auvergnat prend tout son sens si l'on considère le nombre des richesses que ce ventre fécond distribue au pays. Lesquelles? Le bleu d'Auvergne, le Cantal, la fourme d'Ambert, le Pompidou, le Chèvreton, le Saint-Nectaire, le Valéry Giscard d'Étaing, le Salers. Alexandre Vialatte résume ainsi la chose, l'Auvergne produit des présidents, des fromages et des volcans. Elle produit également des écrivains, Blaise Pascal, le plus célèbre d'entre eux, Alexandre Vialatte, qu'on vient de citer, Champfort, Jules Romain, Jules Vallès, Georges Bataille, Henri Pourrat, Marie-Aimée Méraville, Jean Anglade, Pierre Jourde, que nous recevions il y a quelques semaines, et Marie-Hélène Lafon. Comment parler de ce spécimen-là? En premier lieu, Marie-Hélène Lafon est une plante qui pousse en rhizome. On se la passe de main en main, on se la conseille entre amis, on se l'offre. Et ça ressort de tous les côtés. Prix Goncourt de la Nouvelle en 2016 pour Histoire, entre autres titres reçus, et plus récemment, prix Renaudot en 2020 pour Histoire du Fils. Marie-Hélène Lafon, c'est un style dont la meilleure définition que j'ai trouvée en préparant cette rencontre est la suivante, glanée dans un portrait qui a été fait de vous par Libération, la jubilation de l'épure sans les afféteries de l'ascèse. Marie-Hélène Lafon, enfin, c'est un univers, le pays d'en haut, et nous allons en parler. Bornons-nous seulement ici à préciser que c'est un univers peuplé, peuplé par des gens qui se laissent qui laissent dévider en eux des choses simples, un vêtement qu'on essaie, une pêche qu'on goûte, un peuple de surnuméraires, de frères idiots, de vieux garçons, de tantes restées vieilles filles, un peuple de corps qui s'abîme dans le silence et la répétition des gestes. Marie-Hélène Lafon, bonjour. Bonsoir et merci pour cette entrée en matière assez magistrale. On ne regrette pas d'être venu. Le fil que je vous propose pour notre conversation, si vous l'acceptez, sera celui d'une longue gestation, d'une genèse. D'abord, au commencement, Dieu créa la terre et les cieux, donc le Cantal, le pays qui était là avant Marie-Hélène Lafon et qui sera là après. Ce sera notre premier sujet. Puis, Dieu créa Marie-Hélène Lafon. Où, quand, pourquoi faire? Ce sera notre deuxième sujet. Et enfin, Marie-Hélène Lafon, un jour, se mit à lire et puis se mit à écrire. Qui, quoi, comment? Et nous terminerons, si vous le voulez bien, la conversation de cette manière-là. Le Cantal, donc, et ses paysages. J'ouvre par cette question large. Quel est ce pays d'en haut? Titre d'un ouvrage, d'entretien que vous avez donné à Fabrice Lardro. Quel est ce pays d'en haut? Quel est ce pays premier où vous êtes né et que vous portez sous la peau? Alors, c'est une poignée de cantons infimes, Allanche, Riom-ès-Montagnes, Murat, Condat, bien qu'il n'y en ait quatre, je les appelle volontiers le triangle des Bermudes. Cantons infimes, 1000 mètres d'altitude, Lisière, Puy-de-Dôme, Cantal, région Auvergne, inéluctablement. Une île dans l'île. L'Auvergne est une île. C'est Alexandre Vialatte qui le dit. Et les moyens de transport qui sont aujourd'hui en vigueur et à la disposition de tout le monde ne contredisent pas le fait que l'Auvergne reste une île. Hein. L'enclavement existe, je l'ai rencontré. Hein. Par exemple, il est moins facile aujourd'hui d'aller à Aurillac par le train que ça ne l'était il y a 10 ans ou 15 ans. Donc il y a une sorte de régression qui fait que le caractère insulaire, matériellement insulaire, hein, du lieu premier, du pays premier, s'est confirmé. Et quand je dis que ces cantons infimes sont une île dans l'île, hein, donc ils sont à équidistance de Clermont-Ferrand et d'Aurillac, au milieu, là, dans le vide. C'est-à-dire qu'on n'a jamais plus de 212 habitants dans une commune, quand on n'en a pas 75. Il n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus d'école, il n'y a plus. Voilà, y a, comme ça a été complètement récuré, évidé depuis un bon siècle par l'exode rural.
Il y a cependant, j'y tiens beaucoup, des gens venus d'ailleurs qui pratiquent le mouvement inverse, c'est-à-dire qui choisissent ce pays. Mais force m'est de reconnaître, moi qui en suis issue, qu'il n'est pas facile de l'apprivoiser, le pays en question. J'ai même écrit un livre qui s'intitule L'Annonce, hein, où il est très directement question de ça, hein, avec une femme qui vient, qui répond à une petite annonce passée dans le Chasseur français par un paysan, et qui vient vivre là avec son fils, et qui connaît les rigueurs de l'apprivoisement. Donc, vous voyez, pour camper le décor sociologique, économique, historique, parce que tout ça, c'est le produit d'une histoire, c'est le produit de mouvements économiques qui ont fait qu'on en est où on en est là, ici et maintenant. Voilà. Et au fond, quand j'étais enfant, j'y suis née, moi, en 1962, dans ce pays. J'y ai vécu jusqu'en 1980, dans la ferme de mes parents, et ensuite au pensionnat, chez les religieuses, à Saint-Flour. Et ensuite, j'en suis partie pour faire mes études à Paris. Et je vis à Paris depuis 1980, donc j'ai vécu à Paris beaucoup plus longtemps que dans le Cantal. Mais, en effet, je porte ce pays dans la peau, sous la peau, et j'ai gardé un lien extrêmement fort, matérialisé, c'est très banal, par le fait que j'ai une maison là-haut, que j'appelle mon terrier des champs, dans lequel je passe à peu près 10 semaines par an. Et cette mise en tension vitale entre le pays premier, pays d'en haut, et le pays d'apprivoisement, qui sera définitivement le pays second, c'est-à-dire Paris, hein, cette mise en tension entre les deux, j'ai presque envie de dire le long de la ligne de chemin de fer, que j'ai beaucoup pratiquée, hein, est constitutive, non seulement de mon rythme vital, mais ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais surtout de mon écriture. J'ai toujours pris grand soin de maintenir cette distance. Il me fallait bien 500 km. On n'écrit pas à l'épicentre du séisme. Le Cantal est un volcan. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein. Vous avez parlé de volcan, voilà. Hein. Et je dis volontiers que écrire et partir ne se séparent pas. Et que les filles de ma génération, nées dans les années 60, voire même 70, dans les familles de paysans, partaient massivement. D'où le célibat d'ailleurs des garçons. Et d'où le fait que les livres que j'ai écrits, notamment Les Pays par exemple, qui racontent cette partance, sont des livres très générationnels. Voilà. On partait en général, nous les filles, par l'école. Voilà. Et on devenait fonctionnaire. C'est là, hein, puis-je, si vous permettez, hein, c'est la chanson de Jean Ferrat qui dit ça beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Je l'ai choisi dans cette anthologie. Hein. Donc La Montagne, hein, vous la connaissez. Hein, et elle est très juste. Elle est très, très juste, cette chanson. Le principe de cet ouvrage, comme oui. Je prends le relais comme ça, ça vous laisse le temps de chercher la chanson. Oui. C'est de faire un recueil de vos lectures montagnardes. Et effectivement, vous commencez par la chanson La Montagne. De Jean Ferrat. Hein. Je précise, hein, La Montagne, hein, donc La Montagne, pardon ? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, elle est sortie en 1965, cette chanson. J'avais 3 ans. En 1974, je prends conscience que cette chanson existe. Ma mère aime beaucoup cette chanson. Ma mère aimait cette chanson. Et à 13 ans, on n'aime pas ce qu'aime sa mère. Mon père, je ne sais pas, il n'en parlait pas, il n'écoutait pas de chanson. Et dans la chanson, ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils ont rêvé de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Et les vieux, ça n'était pas original, etc. Hein. Et vous avez, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Ça a bien changé. Hein. Mais en revanche, hein, flics ou fonctionnaires, oui. Pour mon père, par exemple, il était évident que ma sœur et moi, nous deviendrions fonctionnaires. Voilà. De surcroît, par l'école, puisqu'on apprenait bien à l'école. Voilà. Donc vous voyez, c'est un itinéraire qui est complètement générationnel. Hein. Ce n'est pas du tout un choix comme ça à la Rastignac, vous voyez, partir à la conquête de Paris pour y fonder une fortune littéraire. Pas du tout. Hein. Voilà. Alors il se trouve qu'ensuite, ce matériau-là, c'est-à-dire ce pays, ces paysages, ces façons d'être au monde, ces façons de travailler, de gagner l'argent et de ne pas le dépenser, de se taire, parce qu'on se taisait beaucoup dans les familles, sont devenus la matière même de mon écriture. J'ai commencé par les paysages, hein, parce que pour le coup, j'ai eu une sorte de grâce qui m'est tombée dessus dès l'enfance,
C'est de, donc 1000 mètres d'altitude, plateau du Cézallier. Si vous connaissez l'Aubrac, c'est un peu la même chose en plus petit, avec moins de bois de hêtre. Voilà. C'est-à-dire c'est très nu, c'est très austère et c'est assez magistral. Donc c'est un paysage qui soit vous rend fou, soit vous donne une sorte de, d'alacrité définitive, quoi, une force. Voilà. Je vous prends au vol sur le mot paysage. Vous avez dit, j'appelle paysage le corps Absolument. Du pays. Absolument. Et le corps du pays, pour vos lecteurs, c'est une expression familière qui revient souvent sous votre plume. Oui. Qu'est-ce que vous désignez par là? Alors je désigne les reliefs déjà. Giono fait ça magnifiquement. Hein. Il a une façon, Giono justement, de mettre sur un même plan textuel les lignes d'un corps et les reliefs d'un pays. Donc j'appelle d'un paysage. J'appelle d'abord les lignes du paysage, hein, mais aussi les saisons, les lumières, les odeurs. Enfin, tout ce qui sollicite dans un lieu nos sens, les cinq répertoriés et tous les autres qui n'ont pas de nom, hein, et qui font que ces lieux, s'ils sont forts et si nous avons la grâce d'entrer en écho avec eux, nous accompagnent pour toujours. C'est ce que j'appelle le pays premier, chacun porte le sien en soi. Hein, il se trouve que le mien, c'est celui-là, mais ça pourrait en être un tout autre. Et depuis 20 ans que j'accompagne mes livres, j'ai rencontré des lecteurs qui trouvent place dans ce paysage sans avoir jamais mis les pieds dans ces endroits-là, ou ni même jamais vu une vache de leur vie, car c'est un paysage agricole, et ça c'est très important. C'est très important, non seulement parce que mes parents étaient paysans, hein, et jusqu'à mon frère, jusqu'en 2018, tout le monde a toujours... Enfin, il y a une lignée paysanne qui s'est arrêtée en 2018 avec mon frère. Hein, et du côté de mon père, du côté de ma mère, à bâbord, à tribord, là, ils sont tous derrière là, vous voyez. Les lignées paysannes, jamais extraites du Cantal. Eux n'ont pas pratiqué l'exode rural, ils sont restés. Les premières à être parties, ma sœur et moi. Les premières à passer le baccalauréat aussi. Et donc c'est canonique d'un point de vue sociologique. Hein, voilà, bon. Et c'est une matière absolument inépuisable. Hein. Et qui dit paysage agricole, paysage d'éleveur, parce qu'on élève des vaches, c'est de la montagne à vaches. Il n'y a pas de champs, il y a des prés. L'herbe est turgescente, elle jaillit, même en ce moment là, hein, cette année, vous voyez, où pourtant le climat est particulièrement violent, hein, vous avez un jaillissement d'herbe, voilà. Hein, et on élève des vaches, alors maintenant on fait beaucoup de viande, mais à une époque on faisait surtout du fromage, vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Mais mon grand-père paternel a fabriqué du Cantal pendant toute sa vie de paysan, et mes parents ont fabriqué du Saint-Nectaire fermier de 1962, l'année de ma naissance, à 2008. Bon, eh bien, tout ça, ça fait partie de mon matériau d'écriture. Voilà. Et j'ai eu conscience très tôt, si je peux terminer là-dessus, que ce paysage, que ce pays, que ces façons d'être, que ces bâtiments, on appelle bien les maisons, hein, on emploie le mot. On dit bien corps de bâtiment aussi pour une maison, vous voyez, hein, voilà, que ces bâtiments, alors maison, grange, étable, hein, que ces paysages, que ces hommes, ces femmes, ces quelques enfants, ils étaient déjà rares, hein, ils le sont de plus en plus, et les bêtes, hein, que tout ça, hein, était menacé de mutation, une mutation tellement radicale qu'elle ressemblait à une disparition. Dans les années 70, moi, j'ai grandi dans cette litanie. Mon père disait « on est périmé ». Il employait ce mot-là. Mes parents disaient « on est les derniers Indiens ». J'ai intitulé un livre ainsi. Hein, voilà. Il y avait le panneau « vous entrez dans le parc naturel des volcans d'Auvergne ». On passait devant ce panneau et mes parents disaient, on était dans la voiture, la Citroën, mon frère, ma soeur et moi derrière, mes parents devant, mes parents disaient « on est les derniers Indiens ». On ne posait pas de questions, hein, d'abord parce qu'on appartenait à un milieu où on ne posait pas de questions, premièrement, et deuxièmement parce que des westerns, on en avait vu. On savait ce qui arrivait aux Indiens, hein, donc c'était pas très joyeux comme... hein, voilà. J'ai grandi là-dedans, moi. Donc, ce que j'avais sous les yeux, c'était menacé de disparaître. Et ça a ancré en moi, ça j'en suis absolument certaine, il y a une sorte d'emboîtement comme ça, entre le désir d'écrire des histoires que j'ai contractées à l'école, et le fait que la matière des histoires à écrire, je l'avais sous les yeux, puisque ce que j'avais là sous les yeux était en train de finir. Il fallait bien inscrire une trace. Et c'est comme ça que la chose s'est faite. C'est un point sur lequel on reviendra. Oui. Je voudrais, pour
exprimé l'isolement qui était le vôtre dans votre enfance. Partagez avec notre public extrait, ce souvenir d'enfance qui m'a marqué. Vous écrivez, le recours au ramassage scolaire était indispensable. L'hiver, lorsqu'il avait neigé, mon père nous emmenait prendre le ramassage scolaire en tracteur. Nous étions assis, ma sœur, mon frère et moi, sur une botte de paille fixée sur la barre de relevage. C'était le seul moyen de s'extraire de la ferme, impossible de faire autrement. Ce genre de séance ne s'oublie pas. On éprouve à travers le corps ce qu'est l'hiver, l'isolement. Oui, absolument. Et merci d'avoir lu ce passage. Et je précise une chose, de surcroît, totalement fondatrice. Vous avez entendu ce que tout à l'heure j'ai dit, hein, le Cantal, l'Auvergne est une île. Le Cantal est une île dans l'île. Et la ferme de mes parents, qui a été... Elle n'est plus, elle a été vendue, hein, mais ils sont entrés fermiers en 1962, ils l'ont acheté en 66. Et cette ferme, c'est 33 hectares d'un seul tenant, avec la maison au milieu. Donc rien autour, hein, pas de voisins, rien. Donc enfant, avant d'aller à l'école, jusqu'au CP, il n'y a pas de maternelle, donc j'y vais pas. Hein. Donc jusqu'au CP, je grandis à cet endroit-là, vous voyez, il y a la maison, il y a la cour, il y a les prés, il y a les bois, il y a la rivière, la Santoire, c'est la frontière, de l'autre côté, c'est plus à nous. Le monde commence. Les enfants de paysans sont biberonnés à la propriété. On la leur insuffle comme ça, même sans leur faire de leçons. Ça rentre en eux, voilà. Donc de l'autre côté, c'est plus à nous. Et cet univers-là, ces 33 hectares, c'est le monde. Voilà, c'est le monde. Et c'est encore une île, vous voyez. Et encore aujourd'hui, cette maison est complètement isolée. Avec un chemin qui a été goudronné depuis et qui est beaucoup plus praticable l'hiver, hein, mais dans les temps très anciens, de plus en plus anciens, où j'étais enfant, et où les neiges étaient plus abondantes qu'aujourd'hui, hein, on avait régulièrement ce genre de séance, en effet. Hein. Et je crois que tout ce qui s'apprend comme ça par le corps dans les enfances s'imprime définitivement. Vous exprimez à travers vos ouvrages une appréhension très olfactive de la campagne. Quelles sont les odeurs de la campagne qui vous tiennent à cœur? Alors, je crois, mais ça n'est pas original du tout, hein. Je crois qu'on se souvient beaucoup par odeur, en fait. Les maisons, par exemple, ont une odeur. Et sans qu'on s'en rende compte, on la reconnaît quand on rentre dans une maison dans laquelle on n'est pas venu depuis longtemps. On reconnaît cette odeur, ou bien quand on la retrouve dans une autre maison, après que celle-là a été quittée, voire même qu'elle a disparu définitivement, on la porte en soi. Donc ce mécanisme-là, hein, très organique, il est en effet très très développé chez moi. Alors les odeurs de cette enfance-là sont très fortes, hein, puissantes. Hein. Y a l'odeur de l'étable déjà, hein. J'en ai passé du temps à essayer d'écrire l'odeur de l'étable. Écrire l'odeur de l'étable. Vous voyez, hein, l'odeur des vaches, l'odeur du fumier, de la bouse, dans tous ces états. Pierre Jourde fait ça en très très grand dans Pays perdu. Hein. Je suis jalouse, il le sait, je lui ai déjà dit, des pages que Pierre Jourde a écrites sur le fumier, sur la merde, quoi, dans tous ces états, dans Pays perdu. C'est assez grandiose. Hein. Là, on a déjà tout un registre, hein, le registre animal. Hein. Il y a aussi, bien entendu, tout ce qui relève, et en ce moment, par exemple, c'est particulièrement capiteux, tout ce qui relève du foin, des herbes, vous voyez, hein, et de ce travail-là, hein, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, dans une grange, par exemple. Hein. Alors, on a définitivement ces registres-là dans la peau quand on a grandi dans ce monde. Hein. Et puis, il y a une odeur que vous évoquez, à laquelle on ne pense pas spontanément, c'est l'odeur de mécanique chaude. Oui, bah oui, les tracteurs. Ou l'odeur du vent. Ah oui, bien sûr, l'odeur du vent, l'odeur de la rivière. Et l'odeur du vent, elle va avec les musiques du vent dans les arbres, qui ne sont pas les mêmes, selon que le vent passe dans l'érable, devant la maison, ou dans les sapins, derrière la maison, ou dans les frênes, qui sont le long du chemin qui conduit à la rivière. Et ici, là, rien qu'en regardant là, vos acacias, vos platanes, vos cyprès, etc., vous devez en connaître un rayon sur la musique du vent dans les arbres. Voilà. Eh bien, on a tout ça, vous voyez, c'est inépuisable, c'est comme une sorte, c'est une polyphonie inépuisable. C'est la matière, c'est ce que j'appelle la matière
la matière du monde. Il y a aussi les odeurs de nourriture. Ça, c'est très important aussi. De fortes nourritures. Lesquelles ? Ben, l'odeur de tout ce qui est cochonaille, parce qu'on élevait des cochons. Donc, il y avait des fortes charcuteries. Hein, voilà. L'odeur de la brioche. Ma mère faisait très bien la brioche. L'odeur de la brioche le dimanche matin. Voyez. Alors, je devrais dire le parfum, mais voilà. Le beurre. Faisait du beurre. Le beurre, vous voyez, hein, je refais le geste là, quand elle faisait elle livrait le beurre à la boulangerie. Hein. Donc, j'entends encore le geste de ses mains claquant le beurre pour faire des pains de beurre comme ça, qui devait faire 500 grammes, vous voyez. Hein. Et puis après, elle les pliait, comme on disait, dans du papier beurre. On appelait ça du papier beurre, vous voyez. J'ai ce bruit et cette matité du papier beurre, hein, et le geste, le claquement comme ça, et l'odeur très très particulière de ce beurre-là. Hein. Ou de la crème, quand on a écrémé le lait pour le fromage, la crème, voilà. Alors si vous avez des enfants, enfin, je vois bien qu'il y a des regards qui s'allument, chacun porte les siennes. Bon, c'est inépuisable, on pourrait en parler toute la soirée, mais vous avez raison de souligner le fait que c'est un registre qui est hyper présent dans tous mes livres et d'une manière très, très, très... qui sature complètement le début de Histoire du Fils. Hein, pour des raisons que je pourrais expliquer tout à l'heure, hein, mais peut-être que celui de tous mes textes dans lequel c'est le plus présent et de la manière la plus dense, c'est le début. Le premier tableau, j'appelle ça des tableaux, moi, de l'histoire du fils. Ça a été pour vous un outil pour l'écriture. Oui, ça a même été un appui indispensable. Parce que le début, je peux le dire, hein, le premier tableau d'histoire du fils, en fait, je l'ai écrit en dernier. Ce que j'avais à dire dans ce premier tableau était tellement terrible à raconter. J'avais à raconter quelque chose que je n'inventais pas, hein, j'invente jamais rien. Je réinvente, mais je n'invente pas. Donc j'avais à raconter quelque chose de tellement terrible que j'ai procrastiné le plus longtemps possible. Donc j'ai écrit tous les autres tableaux. N'anticipons pas trop, voilà. Sur Histoire du Fils. Et ensuite j'ai écrit celui-là en m'appuyant sur les odeurs. Tâchons de continuer à saisir la matière de ce pays qui est le pays d'en haut. Mmh. Je vous propose de vous prêter du tac au tac à un exercice de lexicologie. Tout à l'heure vous avez fait une distinction entre un champ et un pré. Mmh. Or cette distinction n'est pas forcément évidente, notamment pour les urbains que nous sommes. Qu'est-ce qui distingue un champ d'un pré ? Dans le champ, on sème, et dans le pré, ça pousse tout seul. Alors, on met de l'engrais parfois. Hein. Moi, dans le Cantal, très peu. Hein. Mais voilà, le champ, on sème ou on plante, et le pré, en revanche, hein, l'herbe pousse alors de manière munificente hein, dans le Cantal, je dois le dire, toute seule. Autre terme, autre clarification, qu'est-ce qu'une estive ? Ah, alors estive, vous entendez, hein, estive, estivale, bien entendu. Hein, et c'est la racine latine qui affleure. Hein, et donc l'estive, le Cantal est le premier département de France pour les estives bovines. C'est-à-dire que l'estive, c'est un système qui consiste du mois de mai, on va dire au mois d'octobre, à mettre donc... en liberté, comme ça. Hein. Enfin, il y a quand même des packages, hein, mais personne ne les garde. Hein. Des troupeaux de vaches. Hein. Alors, certaines avec leurs veaux, d'ailleurs. Hein. Et de les laisser en liberté, comme ça, tout simplement pour manger l'herbe, qui est colossale. Hein. En général, 1200 mètres d'altitude. 1200, 1300. Hein. Ça ne va pas au-delà dans le Cantal. Hein. Alors qu'il y a des estives beaucoup plus hautes, dans les Pyrénées et dans les Alpes. Hein. Mais dans le Cantal, pour le coup, c'est à peu près ces hauteurs-là, hein, ces altitudes-là. Et donc, les vaches, les troupeaux, ils sont comme ça de manière extensive et ils passent tout l'été. Hein. Et on vient les chercher, en général, avant les premières neiges. Hein. Et on les amène lorsque l'herbe est suffisamment haute pour qu'elle puisse se nourrir. Et ce système a beaucoup évolué parce qu'il y a eu toute une époque où les troupeaux étaient accompagnés par des hommes qui fabriquaient le fromage en montagne, dans ce qu'on appelait des burons, B-U-R-O-N-S, hein, qui s'appellent des jas, par exemple, si vous allez du côté d'Ambert, hein, des jasseries ou des jas, J-A-I-S, ça porte d'autres noms ailleurs. Hein, mais dans le Cantal, le mot qu'on emploie, c'est le buron. Hein, et dans les burons, par exemple, à l'époque de mon grand-père, hein, dans les burons, vivaient pendant l'été, pendant tous ces mois d'été, des hommes,
Hein, donc, avec une hiérarchie très, très spécifique. En général, ils étaient 3 ou 4, ça dépendait de la taille du troupeau. Hein, et les vaches étaient traites et on fabriquait sur place du Cantal, pour le coup. Hein, voilà. Alors, c'était un fromage d'une qualité extraordinaire. Hein, mais évidemment, c'était une vie très, très rude, hein, avec des conditions de vie qui n'étaient pas évidentes pour tout le monde. Et petit à petit, dans les années 50 à peu près, hein, c'est complètement tombé en désuétude. 60, disons. C'est complètement tombé en désuétude. Voilà. Et pendant un certain temps, ces pâturages d'altitude n'ont plus été quasiment entretenus, n'avaient plus aucune valeur. Et puis petit à petit, hein, ça a repris avec ce système que je viens de vous décrire, où les troupeaux sont livrés à eux-mêmes. Hein. Mmh. Évidemment, c'est une production de viande. Vous parlez des vaches. Que fait-on quand on accampe? Ah, accamper, alors c'est le campus du latin là aussi. Hein. Accamper, ça veut dire rassembler. Alors, on accampe les vaches, on les rassemble. Mon père, par exemple, quand il allait chercher les vaches, il n'allait jamais dans le pré les chercher. Hein. Il s'avançait à l'entrée du package, hein, et il faisait un cri, il produisait une sorte de son guttural, hein, qui n'était même pas fort, hein, et les vaches venaient. Et si quelques-unes étaient récalcitrantes, il envoyait le chien la chercher. Mais jamais il allait les chercher lui-même, accamper. Alors, on accampe aussi le foin. On rassemble, voilà, rassembler, avec le râteau. Enfin, aujourd'hui, on ne fait plus ça, évidemment, hein. Inutile de vous le dire. Hein. Mais pour le coup, ma sœur et moi, qui sommes nés en 60 et 62, vous voyez, c'est vraiment cette génération intermédiaire qui a encore, jusqu'à l'âge de 18 ans, hein, oui, exactement, jusqu'à l'âge de 18 ans, qui a encore participé d'une manière avec le corps, avec les bras, avec les jambes, avec les épaules, avec le dos, qui a encore participé d'une manière effective, efficiente, pas du tout, vous voyez, à la façon Madame de Sévigné, hein, la fenaison, c'est très amusant, hein, c'était pas du tout ça, c'était pas amusant du tout, hein, c'était crevant, hein, et c'était un sacré rythme de travail. Hein, donc, nous en partie des dernières, parce qu'ensuite, ça s'est complètement mécanisé, hein, à avoir donc ratissé systématiquement, on disait ratelé, hein, systématiquement tout le pré. Hein, il était tenu comme un gazon, hein. C'était, voilà, hein, mon père disait, s'il y avait une poignée, il disait, il y a une poignée là. Hein, il faisait comme ça. Il disait même la poignée, et avec son doigt. Et on allait la ramasser. J'aurais une question à vous poser à ce sujet, mais le dernier terme pour lequel je sollicite votre clarification, qui désigne-t-on sous le terme de gabatch? Qu'est-ce qu'un gabatch? On est tous le gabatch de quelqu'un, déjà, c'est relatif comme notion. Celui du nord, celui du haut, du pays haut. Qui n'est pas bien dégrossi, vous voyez, qui est assez approximatif. Hein. Le gabatch, c'est le sauvage, c'est l'autre. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple très très précis, dans ma propre famille. Donc, moi, je suis vraiment, j'ai grandi, etc., dans le nord du Cantal. Mais mes parents, eux, étaient nés et avaient vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans le sud, près d'Aurillac, donc près de la préfecture. Et c'était tout à fait autre chose. Le climat y est beaucoup plus doux. Je sais que vous ne me croyez pas, parce que vous voyez toujours qu'à Aurillac, il fait horriblement froid quand vous voyez la carte météo. Mais les Aurillacois vous diraient que la station météo est très mal placée, hein, et que Aurillac est assez méridional. Mais moi, je trouve qu'Aurillac est assez méridional, parce que je suis du nord du département. Mais mes parents, donc, hein, étaient du sud du département. Et pour diverses raisons, ils ont, à l'âge de 25 ans, résolu de s'exiler. C'était vraiment vécu comme ça. Hein. Toute leur vie, ils l'ont vécu comme ça. De l'autre côté du tunnel du Luron, c'est-à-dire au nord du département. Et toute leur famille leur a dit, combien de fois on me l'a répété, qu'est-ce que vous allez faire dans ce pays de fous, ce pays de gabatch, hein? Ils sont pas dégrossis, ils ont 6 mois d'hiver, nous on n'en a que 4, enfin voilà, hein, les femmes conduisent pas, ils ont à peine un réfrigérateur, ils n'ont pas de salle de bain, qu'est-ce que c'est que ces gens, hein? Voilà. Et encore aujourd'hui, ma tante, par exemple, nos tantes, hein, ma mère et mon père sont morts, mais mes tantes, ma sœur et moi, et mon frère, elles nous appellent les gabatches. Parce qu'eux, on est de là-haut, quoi. Voilà. On descend de là-haut. Alors, vous voyez, un minimum de vernis parisien, mais ça ne change rien. Hein. Il y a une sorte de couche de sauvagerie, sauvagine, j'aime beaucoup ce mot, il est régionaux, hein, indélébile, définitive. Voilà. Donc, encore une fois, j'insiste, hein, c'est une notion relative. Elle est présente dans l'histoire du fils, d'ailleurs, hein, puisque au lycée Persan d'Aurillac, à l'internat, hein, il y a quelques fils de notables du nord du département
qui sont là et qui sont considérés par les Aurillacois comme des gabatches. Et à Saint-Flour, moi j'étais pensionnaire chez les religieuses, les filles des notables Saint-Florin qui étaient avec nous au pensionnat, qui n'étaient pas internes, elles, nous considéraient, nous, les filles de paysans qui venaient de 60 km, comme des gabatches. Vous avez cité le terme, je ne vais pas vous laisser vous en tirer comme ça. Que désignez-vous sous le vocable de sauvagine? Qu'est-ce que ça revêt, ce mot? Alors c'est, là, pour le coup, je cite, c'est Giono. Hein. Relisez le début de 1 de Beaumugne, c'est magnifique. Hein. Et vous avez le mot sauvagine. Vous l'avez là, mais vous l'avez ailleurs chez lui. Hein. Et alors, la sauvagine, c'est tout ce qui, dans le notre immédiat, la proximité immédiate de nos maisons, quand elles ne sont pas en milieu urbain, quand elles sont à la campagne, c'est toute cette vie qui frémit aux lisières de nos maisons. Vous voyez, les renards, les blaireaux, les chevreuils, et aussi tous les rongeurs, les milans, vous voyez, tous les rapaces. C'est tous ces animaux-là, interstitiels, on sait qu'ils sont là. Hein, on les aperçoit parfois, hein, au crépuscule, hein, du matin ou du soir. Hein, on les entend. On entend le chevreuil aboyer. Hein, parfois, le renard passe, ça laisse des traces. Hein, vous voyez, ils sont là. Voilà. Ils sont là, on les aperçoit, on peut les redouter, on peut les espérer. Ils suscitent des réactions fortes, hein, hostiles. Hein, on veut les supprimer. Hein, et ils font partie de notre être au monde dans ces lieux-là. Voilà. Et j'avais un maître d'école qui est très présent dans nombre de mes livres, qui est le dédicataire de l'un d'entre eux, M. Brunet, qui connaissait parfaitement, sur le bout des doigts, hein, la flore, la faune. Hein. Il était pêcheur aussi. Et il était un très, très bon initiateur de la sauvagine. Parce que, pour le coup, hein, nos parents, paysans, hein, ne célébraient pas du tout ces animaux-là. Hein. Un renard, ils ne trouvent pas ça beau du tout, eux. Hein. Vous voyez, parce qu'un renard, ça passe dans le poulailler et après, il n'y a plus de poules. Hein. Et quand j'étais enfant, moi, par exemple, j'avais pour mission, au mois de mai, juin, cette période-là, vous voyez, quand ma mère avait des petits poulets qu'elle allait engraisser pendant l'été. Hein, donc, c'était des petites bêtes qui étaient très vulnérables. Moi, quand je rentrais de l'école, j'apprenais mes leçons en patrouillant comme ça, autour d'un petit espace qui avait été clôturé, dans lequel on mettait les poulets jeunes, vous voyez, hein. Il n'y avait pas de filet, hein. Donc moi je faisais la patrouille, comme ça les milans qui tournaient au-dessus n'osaient pas descendre les chercher. Hein. Et bien ça c'est exactement comme l'exemple du tracteur avec la botte de paille. Ça vous rentre la sauvagine dans le corps pour toujours. Et d'ailleurs, j'ai la géographie très précise de cette sauvagine, parce que quand on était dans la maison et dans la ferme, à court de la ferme, on savait où étaient les terriers des blaireaux. On savait où étaient les terriers de renards. On trouvait parfois des bois de cerf. Hein, et on savait où étaient les bois de chevreuil. Hein, voilà. On savait où étaient les bêtes. Et parfois, on les apercevait. On avait cette... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'on avait cette grâce. Mais quand je les apercevais, je me gardais bien de le dire. Je vous cite. Quelque chose en nous répond à un lointain appel incarné par le corps du renard ou le cri de la mouette, de la chouette la nuit. C'est un cri... La mouette, pas tellement, dans le Cantal. Dans le Cantal. De la chouette la nuit, c'est un cri plus qu'un chant, on ne l'entend pas à Paris, si ce n'est aux lisières des bois de Vincennes ou de Boulogne peut-être, mais ça demeure quelque chose de très archaïque, même dans l'espace urbain. De façon très instinctive, non maîtrisée, ça réveille en nous ce que j'appelle la pulsion de fiction. Oui. Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette pulsion? La pulsion de fiction, bah c'est le goût des histoires. C'est définitif. La bête humaine a le goût des histoires. De se rassembler pour écouter des histoires, ou pour en inventer, pour en imaginer, pour s'en raconter, pour avoir moins peur le soir au bord de la nuit. C'est constitutif de l'être au monde, le goût des histoires. Et ça, pour le coup, en ce qui me concerne, je crois que ce goût des histoires, je l'ai contracté déjà en étant plongée comme ça, toute vive dès l'enfance dans ce monde d'impressions très fortes. Et ensuite, il a été totalement mis en forme, dynamisé, plus que canalisé d'ailleurs, et exalté par l'école. La sauvagine,
que vous avez décrite à l'instant comme l'apparition interstitielle de la bête, c'est aussi désormais dans le Cantal le passage du loup. Ah, bien sûr. Puisque le loup repasse bien à nouveau sûr. dans le Cantal. Bien sûr. Qu'est-ce que vous inspire cette réapparition ou cette survenance d'un ennemi immémoriel? Alors, vous savez, le loup dans le Cantal, mon maître d'école, donc, M. Brunet, qui a 88 ans, mais très bon pied, bon œil, et que je vois tous les ans, et qui me tient au courant des choses essentielles, et notamment de ça, par exemple, lui, et puis aussi un ami de mon âge, qui est très, très au fait de toutes ces questions, ça fait longtemps qu'ils me disent, ça fait une petite dizaine d'années, ils n'ont pas d'apparition, hein, ils voient, ça fait une petite dizaine d'années qu'ils voient des loups, mais des loups isolés. Voilà. Hein. Et maintenant, depuis 2-3 ans, ça a fait meute, hein, et y a des loups installés. Hein. Donc, alors, si vous voulez, moi, évidemment que le loup, quand on est comme moi, quand on a fait de la pulsion de fiction des ressorts essentiels de son existence, évidemment que, voilà, les histoires peureuses, hein, et puis aussi Jack London. Voilà, hein, Henri Pourrat, Jack London. Hein, voilà, donc évidemment que le loup appelle tout ça, hein, et que dans une certaine mesure, ça m'enchante au sens propre du terme. Bon, je suis aussi fille de paysan, hein, donc je sais que le loup, c'est pas drôle. Hein, quand il tombe sur votre troupeau, c'est pas drôle du tout. Hein. Alors, les vaches sont beaucoup moins menacées que les moutons, et c'est pas un pays de moutons là-haut. Hein. N'empêche qu'il y a quand même eu quelques attaques de troupeaux. Parce qu'il y a quelques troupeaux de brebis, et ça a commencé, évidemment, c'est inéluctable. Et alors là, ça devient extrêmement compliqué, c'est une question politique. Ça devient très, très compliqué. Que fait-on avec ça, maintenant que c'est là? Voilà. Et moi, si vous voulez, je penche plutôt du côté, comme ça, fasciné, quoi. Par exemple, je rumine comme un motif, j'appelle ça un motif. Donc ça sera un jour ou l'autre, inséré comme ça dans un récit, voyez, une nouvelle ou un roman, cette scène mais fabuleuse que m'a racontée une amie l'hiver dernier, donc ça, c'était en janvier. Hein. Elle habite à 1100 mètres d'altitude. C'est un couple qui est venu de Versailles et d'Avignon vivre dans le Cantal, à 1100 mètres d'altitude. Vous imaginez ça, hein. Bon, et je les ai rencontrés parce qu'ils étaient de mes lecteurs. Ça fait 11 ans qu'ils y vivent. Et ils m'ont dit qu'ils avaient appris le Cantal dans mes livres. Bon. Donc, bref, voilà. Hein. Et elle m'a raconté cette scène extraordinaire, insomniaque, donc se levant souvent la nuit. Et au mois de janvier, une nuit, neige, 1100 mètres, il y a eu de la neige cet hiver, hein, et pleine lune. Donc, vous voyez ce que ça donne. Hein. Pleine lune sur la neige, on voit mieux que dans la journée. Hein. Et donc, elle était au premier étage de sa maison, et elle dormait pas. Bon, voilà. Elle passe devant la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle voit dans le jardin, là, en bas, là, devant la maison? Un loup. Dans la neige, là, devant. Voilà. Un loup. Qui ne l'a pas vu. Hein, qui regardait, qui prenait la mesure des choses, etc. Hein. Donc elle est restée complètement figée à absorber le loup par tous les portes de sa peau pendant tout le temps où il a été là. Et puis, elle m'a dit, ça m'a frappé, elle m'a dit, il a disparu. Donc, et j'ai essayé de lui... Elle n'a pas pu me dire combien de temps ça avait duré, mais elle a vu le loup. Alors, et elle m'a dit, elle me l'a décrit. Et ce loup-là, 3 ou 4 jours plus tard, était à la une de la montagne, le journal local. Puisque ce loup-là, elle l'a bien reconnu sur la photo, a été écrasé par la Micheline, par le train. Écrasé par le train, je pense que le loup, il a pris un coup de fusil, et ensuite on l'a mis, ah, parce que la Micheline, elle passe 2 fois par jour. Ah, il s'est suicidé, le loup, alors. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous voyez, eh bien voilà. Voilà, c'est que ça, la pulsion de fiction, c'est ça, et une piste narrative, c'est ça. Exactement ce que je viens de vous dérouler, là, vous voyez. Hein, cette femme venue d'ailleurs, une néo-rurale, on dirait aujourd'hui, dans sa belle maison restaurée, avec des livres, ben voilà, hein, voilà, hein, qui voit le loup, voilà, une nuit d'hiver, comme ça, hein. Et ensuite, 3 jours plus tard, le loup, et entre-temps, toc, toc, toc. Bon. En préparant cet échange, nous avons convenu de ponctuer le jeu des questions-réponses de lecture de texte. Et pour
en finir avec le corps de votre pays, le Cantal, vous avez eu l'amabilité de ramener un ouvrage de Julien Gracq qui s'appelle « Les carnets du grand chemin », dans lequel il parle du Cézallier, précisément, c'est-à-dire oui. les lieux où vous avez grandi. Absolument. Est-ce que vous accepteriez de oui, nous dire sûr. Le passage en question ? Bien sûr. Donc, comme vous le savez, Julien Gracq était un... Alors, un né et passionnément épris de ces bords de Loire, hein, et un géographe et un marcheur impénitent. Et il a beaucoup marché dans le Cézallier et très exactement hein, aux alentours d'Allanche. Donc, Allanche, c'est à 18 km de l'endroit où j'ai grandi. Et c'est là, notamment, que mon grand-père avait ses vaches en estive. Et je ne me suis plus à imaginer, pas dans... Là, je vais vous lire l'extrait de Julien Gracq, hein, « Carnet du grand chemin ». Mais je ne me suis plus imaginé hein, que dans les années où Julien Gracq, très alerte, marchait sur les routes de ses alliés, hein, il a dû longer, probablement, c'est sûr même, hein, il a dû longer la montagne dite d'Everine où étaient les troupeaux de mon grand-père. Hein, ça, c'est à peu près certain. Ça me plaît beaucoup. J'ai même écrit une petite nouvelle autour de ça. La première fois que je pris la route de Bord à Neussargues, au déclin de l'après-midi, les herbages du Cézallier avant Allanche étaient si lustrés par le soleil ras que, contre la couleur de pain blond craquant sortant du four, le ciel au bord de l'horizon prenait la teinte d'un orage de mai. Une gaie ferblanterie de sonnailles secouées faisait la haie tout le long de la route et aiguisait cette odeur de foin coupé qui enivre et semble faire chavirer en nous une mémoire très ancienne. Comme si l'homme se souvenait encore, par-delà le long sevrage de l'espèce, d'un temps où elle broyait à même la terre la verte écume native. De temps en temps, hein, Julien Gracq, hein, c'est... Le village d'Allanche, blanc et gris fer au milieu de ses gazons solaires, m'est apparu, quand je l'ai alors traversé, bondé de la félicité tranquille des pâturages aussi naïvement qu'une grange de son foin. Jamais, depuis, je ne passe à proximité sans tenter, si je le puis, d'y faire étape. Fût-elle froide et mouillée, inhospitalière, comme l'est parfois à ces altitudes au début de l'automne, la nuit y reste encore illuminée pour moi par le souvenir de ce soleil si doré des hautes pâtures. Quand je le quittais, un petit train de voyageurs, la Micheline, celle qui a écrasé le loup, celle que je prenais moi pour aller prendre des leçons de conduite, à Ruens-Montagne, donc la Micheline, quand je le quittais, un petit train de voyageurs dans un pli du terrain roulait à même la prairie au milieu des troupeaux sonnaillants, enfouis dans l'herbe jusqu'à ses marchepieds, ses vitres illuminées par le soleil couchant, pareil à un train du Far West au milieu des bisons au pacage. Les derniers Indiens, hein? Julien Gracq qui le dit. Hein? Rarement, je pense aux Cézalliers, à l'Aubrac, sans que s'ébauche en moi un mouvement très singulier qui donne corps à mon souvenir. Sur ces hauts plateaux déployés, où la pesanteur semble se réduire comme sur une mer de la lune, un vertige horizontal se déclenche en moi qui, comme l'autre a tombé, m'incite à y courir, à m'y rouler, à perte de vue, à perdre haleine. Et je dis volontiers que Julien Gracq a inventé le vertige horizontal. Si vous connaissez le plateau de l'Aubrac, vous voyez exactement de quoi il retourne. On appelle le plateau de l'Aubrac et le plateau du Cézallier la petite Mongolie. Hein, ce n'est pas un hasard. Je tiens beaucoup à ce vertige horizontal. Ça, c'est un vrai trésor. Au premier jour, au commencement, donc, Dieu créa les cieux et la terre, le Cantal. Au deuxième jour, Dieu créa Marie-Hélène Lafont. Ça, c'est moins sûr, mais bon. J'en viens à vous. Vous avez mentionné le fait que vous étiez né dans un milieu paysan. Oui, famille de paysans, oui. Une famille de paysans. Vous parlez, à propos des Français plus généralement, de socle hercynien paysan. Oui. Que désigne cette expression ? Ben oui, c'est sociologique. Hein. Dans la plupart des familles françaises, il ne faut pas gratter beaucoup pour remonter deuxième, troisième, peut-être parfois quatrième génération, au socle paysan.
on a été paysan quelque part. Hein. Et puis, dans la plupart des familles françaises, ben, on n'a plus été. On a laissé, on a quitté. Parfois, d'ailleurs, on a fui. On a voulu mettre le plus de distance possible entre soi et ce socle. D'autres fois, au contraire, on en a une forme de nostalgie et toutes les nuances possibles et inimaginables entre les deux. Et ça, je le savais, si vous voulez, plus ou moins obscurément, mais en accompagnant mes livres, je m'en suis davantage avisée, parce que le nombre de fois où on m'a raconté, où on m'a dit, voilà, que oui, on avait encore vaguement des cousins dans le Gers, ou bien un grand-oncle dans les Pyrénées, et qu'on sortait de là, mais que voilà, l'extraction s'était faite depuis plusieurs générations, elle passe par les villes, alors, pas forcément Paris d'ailleurs, mais elle passe par les villes, et par, alors parfois d'ailleurs, par comment dire, des déterminations très régionales et traditionnelles, par exemple, on parle toujours des Bougnats, hein, voilà, hein, les Aveyronnais et les Cantaliens montaient à Paris pour y ouvrir des cafés, hein, enfin, qui ont fini par y ouvrir des cafés après avoir distribué les bois charbon, hein, ou bien les maçons de la Creuse, etc. Vous voyez donc, tout ça, hein, ça constitue vraiment le tissu de l'histoire et de la sociologie française du XXe siècle, hein, de la fin du XIXe, hein, jusque, enfin pendant un siècle largement. Hein. Bon, ensuite ça se complique. Hein. Et donc, si vous voulez, le socle orsinien, eh ben, c'est vraiment voilà, les sources sociologiques d'un très grand nombre de familles françaises. Il se trouve que dans mon cas, j'ai mis longtemps à me rendre compte que c'était un peu particulier, il se trouve que dans le cas de ma famille, aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère, eh bien, personne, par exemple, n'est monté à Paris distribuer du bois et du charbon ou devenir garçon de café. Hein. On est resté paysan. Il y a une tante, hein, celle qui s'appelait Jeanne, hein, et il y a un texte qui lui est voué, une tante de mon père. Hein, dans le recueil Histoire. Voilà, dans le recueil Histoire, hein, qui, elle, pour le coup, avait son brevet d'institutrice et a fini par quitter Aurillac pour aller enseigner les mathématiques dans une institution privée à Saint-Germain-en-Laye. Vous voyez ? Alors vraiment, hein, c'était un apax, hein, alors, c'était une exception. Et moi, je l'ai connue, elle est morte quand j'avais 11 ou 12 ans. Hein. C'était la tante qui était partie à Paris. Hein, voilà. Et il n'y en avait pas d'autres. Personne d'autre n'était monté à Paris. Alors que, voilà. Quel regard portez-vous sur le monde paysan aujourd'hui ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de monde paysan ben non, encore ? Parler ou des mondes paysans. Ou est-ce qu'il faut parler du monde agricole ? Oui, alors voilà, voilà. Moi, j'aime beaucoup le mot paysan. Hein. Je l'aime parce que c'est un clan d'enraciné, hein, c'est étymologique. J'aime beaucoup ce mot-là. Je sais que c'était une insulte. Hein, quand moi, j'avais 12 ou 13 ans, quand on se faisait traiter de paysan, ce n'était pas un compliment. Hein. Mais je l'aime beaucoup, j'y tiens beaucoup. Alors, le mot agriculteur, voilà, bon, j'entends bien ce qu'il y a de conquête, là, hein, avec un mot comme celui-là, qui, de surcroît, étymologiquement, est un très beau mot. Hein. Mais, si vous voulez, je ne suis ni la passionnariat ni le chantre, hein, de la paysannerie française, même si le matériau paysan est extrêmement présent dans mes livres pour des raisons qui doivent vous paraître, j'imagine, assez évidentes désormais, si ce n'était pas déjà le cas avant. Mais en revanche, il est évident que je suis personnellement très impliquée et très touchée par ce qui arrive à ces mondes paysans, où vous avez à la fois des grands céréaliers qui ont 500 hectares et qui sont des industriels de la paysannerie, voilà, hein, qui sont des agro-industriels, voilà. Hein. Et puis, vous avez les néos qui font pousser des chèvres, hein, voilà, hein, et qui s'obstinent à les faire pousser, qui fabriquent du fromage et qui n'en tiennent pas, comme ils disent, sur le marché. Hein. J'en connais, hein, voilà. Hein. Et entre ces deux-là, hein, vous avez toutes les nuances, encore une fois, possibles et inimaginables. Hein, et y compris ce à quoi je suis évidemment particulièrement sensible, hein, tout ce, j'y ai fait allusion tout à l'heure, hein, c'est-à-dire ces générations de garçons qui ont repris les fermes familiales parce qu'il fallait que quelqu'un le fasse et qui l'ont payé d'un poids de solitude colossal, hein, et qui ont fini par, pour un certain nombre d'entre eux, à commencer par mon frère par exemple, hein, par lâcher l'affaire, hein, et rendre leur tablier, hein, à bout de solitude. Voyez, hein. Alors évidemment que ces itinéraires-là, qui ne sont pas ceux de tout le monde, hein, j'en fais pas du tout une loi, hein, ces itinéraires-là me touchent tout particulièrement, d'autant plus que je suis bien placée pour savoir que les filles de ma génération sont parties. Les garçons à côté desquels j'étais assise sur les bancs de l'école avec M. Brunet,
Je peux vous dire que j'en connais un certain nombre qui ont eu exactement le sort que je viens de citer. Exactement. Et qui ont fini perdu de boisson en tête-à-tête avec la télévision dans la cuisine jaune, une fois que leur mère a été morte. Ils ont fini veufs de leur mère. Bon, eh ben. Vous utilisez une expression pour les désigner, vous dites que ce sont des garçons voués. Oui. Voués, on pourrait dire au vert, c'est-à-dire à la paysannerie, ouais. Comme on était auparavant voués au bleu de la Vierge Marie. Oui. C'est un motif très présent oui. dans votre œuvre, dans vos livres, oui. Celui de la solitude des oui. paysans. Il y a quelques lignes qui m'ont frappé en vous lisant, notamment, vous les évoquez et vous dites la chose suivante. Les plus fracassés d'entre eux n'ont pas cette force de trouver une femme, n'ont pas même cette force de trouver une femme, cette confiance. Ils se tuent de boisson. Leur corps est gagné par la sauvagine qu'on évoquait tout à l'heure. Leurs cheveux et leur barbe poussent, ils ne se lavent plus. Et là, vous évoquez Profil paysan, la trilogie de Raymond Depardon, oh, la trilogie documentaire de Raymond ouais. Depardon, en disant sa trilogie filme ce processus. L'un des hommes filmés, Paul Argot, sans sauvage. Il vit terriblement seul, totalement seul, avec ses vaches et à une allure terrible, comme si la friche des pays gagnait peu à peu son corps. Ses cheveux s'allongent, son dos se courbe, sa parole se fait de plus en plus rare, on se croirait dans les métamorphoses d'Ovide. Et en lisant ça, je me suis posé une question, est-ce qu'il n'y a pas un lien physique entre le corps du pays que vous évoquiez tout à l'heure et le corps des gens qui peuplent le pays ? Oui, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Les uns et les autres se travaillent au corps, littéralement. Hein? C'est-à-dire que... quand les façons d'être paysan changent, le paysage change. Les chemins se ferment, les prés qui étaient fanés et donc fauchés et éventuellement râtelés deviennent des packages pour les vaches, ne sont plus fauchés et leur physionomie change. L'herbe n'est plus la même, le vert n'est plus le même. À votre œil, à l'œil d'un citadin, même c'est différent. Vous voyez, hein? Et la friche gagne très très vite. Hein? Les genêts, c'est beau, hein, les genêts. Mais alors, c'est le pire ennemi hein, d'un paysage parce que ça colonise tout. Hein? Les fougères, etc. Hein? Vous voyez, et certaines. Pierre Bergoglio parle très très bien de ça, magnifiquement, dans Un peu de bleu dans le paysage, qui est un très beau livre chez Verdier. Il en parle magnifiquement. Hein? Et d'une manière beaucoup plus scientifique en plus que moi, hein, parce que c'est un homme qui sait tout sur tout, c'est assez fascinant. Et si vous voulez, ça, le fait que le corps du pays change quand les manières de le travailler, les manières d'être paysan changent, hein, c'est visible à n'importe quel œil. Et de la même façon, hein, il suffit de regarder autour de vous, si vous êtes coutumier d'aller à la campagne, hein, on n'a pas le même corps. On n'a pas les mêmes mains, on ne marche pas de la même façon, on ne porte pas de la même façon sa tête, son cou, son dos, selon qu'on a été pendant 30 ans, je ne sais pas moi, épicier ou bien pharmacien, hein, ou bien qu'on a pendant 30 ans trait des vaches, fané, voilà. Ça vous modèle un corps, hein, voilà. Bon, c'est un truisme, hein, j'enfonce une porte ouverte, mais ça se voit, voilà, hein. Et je dis volontiers hein, que donc, mon frère qui a été paysan jusqu'en 2018, nous sommes quasiment jumeaux, hein, et il a l'air d'avoir 10 ans de plus que moi, et on n'a pas les mêmes mains, hein. Voilà, bon, ben, ça se travaille au corps. En 1994, Jacques Lévy, qui est géographe, a publié un article qui a eu un certain retentissement, un article assez provocateur, dont le titre était « Oser le désert des pays sans paysans ». C'était un article qui traitait de la question qu'on appelle assez laidement de l'aménagement du territoire. Et dans cet article, il écrit, je me fais volontairement provocateur sur cette question, parce que je sais que c'est un sujet que vous abordez. Il écrit « Dans un contexte où, malgré la baisse continue du nombre de leurs agriculteurs, la France en Europe et l'Europe dans le monde sont devenues et ont toutes les raisons de demeurer des puissances agricoles majeures, l'idée de jachère, de désert, possède la force désarmante du bon sens. Certaines régions françaises perdent des habitants
et quelques cantons, dans le Massif central notamment, se désertifient effectivement. C'est gênant pour ceux qui restent, et la solidarité à leur égard s'impose, mais est-ce au fond si grave? Et c'est la question que j'ai envie de vous poser. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une tendance lourde, notamment autour des enjeux de l'écologie, à promouvoir le réensauvagement de la France, mmh. c'est-à-dire une campagne sans paysans. Mmh. Alors ça, c'est très... Comment dire? J'ai beaucoup de... Pour des raisons très ataviques, hein, j'ai beaucoup de mal à le penser, vous voyez? À l'envisager. Envisager, ça veut dire regarder, hein, en face à face, comme on regarde le visage de l'autre. J'ai beaucoup de mal à l'envisager et à le penser. Déjà, il y a une chose qu'il faut dire, c'est que dans ces pays qui seraient censés, parce qu'ils ne sont pas accessibles, parce qu'ils sont trop pentus, parce qu'on ne peut pas les travailler avec des machines, en fait, toutes ces raisons-là, donc ils seraient censés retourner à la jachère, d'ailleurs cet article le signale, hein, retourner à une forme de sauvagine, de sauvagerie peut-être aussi, hein, y a encore de la population. Et cette population, elle vit comment? Ça, c'est quand même une question qui est posée, hein, aujourd'hui. Hein. Elle vit comment souvent une population âgée, souvent une population vulnérable, peu mobile, hein, dont l'existence a de plus en plus de mal à se tenir aux limites de la dignité quand même. Hein. Donc ça, vous voyez, moi, ça me saisit, ça m'interroge, parce que cette population-là, je la connais bien. D'une part. Alors, d'autre part, je veux bien concevoir qu'il faille, au fond, que, en tout cas, des lieux puissent être à nouveau, comme ça, des réservoirs, si vous voulez, où pourraient régénérer des espèces en voie de disparition, etc. Je ne suis pas certaine que si on n'y met pas la main, hein, un équilibre puisse se trouver. Hein. Je suis assez sceptique sur ces questions-là. Hein. À mon avis, qui dit « jachère par abandon hein, » dit « ensauvagement et appauvrissement ». Fermeture des paysages d'ailleurs, ils ne seront même plus accessibles. On ne pourra plus accéder aux endroits. Né dans une famille d'agriculteurs, dites-vous, je demeure tenu par un atavisme paysan. Mmh. On ne laisse pas la sauvagine, les bois, les ronces gagner la partie, manger les terres. C'est à qui gardera l'emprise sur le territoire. Il s'agit d'une véritable tension opposant le paysan au taillis et au buisson. Vous-même, vous vous retrouvez finalement dans cette guerre contre le taillis et le buisson. Et je sais qu'il y a quelque chose... C'est pour ça que j'ai commencé comme ça. J'ai du mal à le penser. Voilà. Hein. J'entends tout ça, j'écoute, j'évite de dire des bêtises, j'essaye, hein, donc j'évite de me prononcer, voyez, de manière catégorique, parce qu'il faudrait que j'étudie les choses de plus près, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a un verrou à ta vie qui résiste en moi à cette idée de, voilà, de lâcher comme ça, oui, hein, et laisser le taillis, hein, tout reprendre. Bon, c'est presque douloureux même pour moi, ça. Comme question? La question est douloureuse, et même la vue de ce type de paysage. C'est presque douloureux. Mais bon... Pour préparer cet entretien, j'ai lu Histoire, donc le recueil des nouvelles que vous avez écrites, et ça m'a permis de relever certains motifs, certaines expressions qui reviennent souvent sous votre plume. Il y en a une, je l'aborde très rapidement parce qu'elle m'a intrigué quant à son sens, c'est la suivante, pousser la neige des jours avec son ventre. Qu'est-ce que vous entendez? Pousser la neige des jours avec son ventre. Alors ça, pour le coup, ce n'est pas du tout une expression qui me vient, vous voyez, que j'eusse entendu quand j'étais enfant, qui me vient comme ça de tradition familiale. Pas du tout. Hein. Elle est plus ou moins appuyée sur une façon de dire d'Henri Pourrat. Henri Pourrat, c'est un auteur auquel je tiens beaucoup. J'ai fait ma thèse sur son œuvre. Et c'est quelqu'un qui avait un sens de la langue extrêmement aigu. Et pousser la neige des jours avec son ventre, ça veut dire faire face, même quand ce n'est pas très drôle. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? C'est-à-dire faire ce qu'on a à faire,
hein, même quand ce n'est pas exaltant, même quand ça pèse, même quand on n'a pas envie. Hein, voilà, ça veut dire continuer, hein, faire face. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'expression faire face, je l'emploie souvent aussi. Hein, tenir, voilà, c'est ça, pousser la neige des jours avec son ventre. Hein. Et puis, vous avez à nouveau une utilisation assez étonnante d'un verbe, c'est le verbe vouloir, qui d'ordinaire est utilisé de façon transitive, c'est-à-dire vouloir oui, mais vouloir quoi. Et sous votre plume, ce verbe est souvent utilisé de manière intransitive. J'en prends quelques exemples, donc dans Histoire. Mais le père était fatigué, fatigué de vouloir, contre les hivers, contre les orages d'été qui pourrissaient les foins, contre les mauvais chemins où les pieds des bêtes s'infectaient, fatigué de vouloir malgré ce fils qui ne serait ni un homme ni un paysan, qui ne serait rien. Plus loin, page 67, gris et froid, le regard de Joseph riait rarement quand sa bouche s'ouvrait sur des dents petites, irrégulières et très tôt gâtées. Sa voix nasillait, il fut méchant, soulevé de colère brutale, méchant et habile, efficace et retors, il savait vouloir. Qu'est-ce que c'est vouloir pour un paysan? C'est tout faire à la force du désir et de l'énergie. Voilà, c'est ça vouloir. Donc c'est pour ça que c'est absolu. C'est ériger l'énergie en façon d'être au monde, hein, et s'imposer, parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce qu'on ne sait pas faire autrement, d'être toujours dans cette tension, ce qui est épuisant, hein, et qui fonde souvent une grande solitude, hein, et qui fait que y a une sorte comme ça, d'usure vitale. Et j'aime beaucoup l'étymologie de énergie, hein. C'est energon, c'est une étymologie grecque. Le mot énergie, ça veut dire ça qualifie celui qui est dans le travail. Hein, c'est ça, en fait. Hein. Avant de quitter le monde paysan, vous aviez évoqué tout à l'heure les paysans qui étaient obligés d'abandonner leur exploitation. Parfois, cet abandon pousse à des actes plus définitifs, suicide, et notamment le suicide. Vous avez écrit une nouvelle qui s'appelle « Roland », qui évoque cette question du suicide dans le monde paysan, dont je lis les premières lignes, si vous le voulez bien. « Hier, Roland s'est suicidé, il s'est pendu, dans l'atelier, avec ses bottes. Le maire m'a appelé, il faisait nuit, j'y suis allé. Il était chaud sous les aisselles, il avait piqué sa chienne d'abord. La maison était en ordre, j'ai senti tout son poids sur moi. » Et je vous ai proposé, vous l'avez accepté, de lire un extrait de cette nouvelle. Suite alors. J'ai enterré la chienne dans le jardin derrière l'atelier. J'ai dû creuser longtemps. Le sol était très dur. J'ai attendu que tout le monde soit parti. La chienne était avec Roland dans l'atelier, sur l'établi, dans une caisse, une sorte de cercueil d'enfant. Il l'a fabriqué lui-même, avec les outils de son père, qu'il a ensuite soigneusement rangé. Il a eu pour cette caisse les gestes longs, lents et patients que je lui connaissais dans le travail. Il a pris son temps, enveloppé dans le regard doré de la chienne, assise ou couchée en face de lui sur le tas de sciures et de copeaux où son corps a laissé une empreinte ronde. Il a dû la prendre quand elle était encore souple, pour l'allonger dans la caisse, sur le côté, comme dorment parfois les chiens dans l'abandon des heures les plus chaudes, du sommeil le plus profond. J'ai glissé le couvercle dans la rainure, j'ai pensé au plumier des écoliers, j'ai fermé la caisse. Il savait que ce serait moi qui enterrerais la chienne, moi aussi qui le toucherais, lui, qui le laverait, qui l'habillerait. Je l'avais fait pour mon père. Nous en avions parlé. Le corps de mon père avait été pris par la maladie, couturé, marqué, mangé par elle, mort avant la mort. Je me souviens du poids dérisoire du corps de mon père dans mes bras. Il était comme un vieil enfant. La mère de Roland était morte dans son sommeil. Il n'y avait eu aucun signe. Il l'avait trouvée un matin. Elle n'était même pas vieille. Il s'en était occupé seul avant de prévenir quiconque. Il avait, comme il disait, donné les soins pour qu'elle soit présentable. Elle était énorme.
Elle tressautait plus qu'elle ne marchait. À chaque pas, tout son corps se répandait, semblait sur le point de se répandre, puis se reprenait miraculeusement, au prix d'un effort colossal, se rassembler. Elle continuait, suante, éructante, elle sentait très mauvais. Les traces de vie de Roland et de la chienne sont dans l'atelier, muettes. Elles ne peuvent rien me dire de ces moments où ils savaient qu'ils allaient mourir, les deux, parce qu'ils l'avaient choisi, lui. C'était la première fois qu'ils choisissaient. Ils n'avaient pas choisi d'être menuisier, de vivre avec sa mère, dans ce pays, dans cette maison. Alors, les premières phrases que vous avez lues tout à l'heure. Hier, Roland s'est suicidé, il s'est pendu dans l'atelier, avec ses bottes, etc. Il était chaud sous les aisselles, aussi. Avec ses bottes, les deux détails, avec ses bottes, il était chaud sous les aisselles. Et le maire m'a appelé. Ce sont des phrases que mon frère m'a dites en 1998, novembre 1998, quand son seul ami d'ailleurs, qui était paysan comme lui, plus jeune que lui, il avait 5 ans de moins que lui, s'est suicidé, s'est pendu dans l'étable avec ses bottes. Et vous le savez, dans les communes rurales comme ça, les gens valides sont sapeurs-pompiers volontaires. Et donc, quand il arrive quelque chose comme ça, le maire les appelle. Et là, il a appelé mon frère. Et le maire et mon frère sont allés dépendre Jean-Pierre, il s'appelait Jean-Pierre. Et ça, mon frère me l'a raconté. Et c'est devenu matière textuelle. Voyez. C'est aussi une façon d'inscrire... parce que ça continue, ça, hein, on le sait bien. C'est aussi une façon d'inscrire ces hommes-là hein, dans une sorte de mémoire, voilà, de garder une trace. Je voudrais laisser résonner ces lignes et éloigner de nous à présent le monde paysan, sa beauté brute et sa violence, pour en venir au dernier aspect de notre entretien, qui est la question de la littérature et de l'écriture. Vous avez quitté ce monde-là pour faire à Paris des études de lettres classiques. La première question que j'ai à vous poser dans cette perspective, c'est, en reprenant une expression que vous avez utilisée, en quoi la littérature peut être l'épicentre du séisme vital. Alors, j'aime beaucoup cette métaphore du séisme. On n'est pas impunément né, on n'a pas impunément grandi sur un volcan. Encore une fois, le Cantal est un volcan, un vieux volcan assoupi, raboté, c'est un volcan. La littérature, c'est-à-dire écrire et lire, ça ne se sépare pas pour moi, hein, les deux. Lire, écrire, écrire et lire, c'est l'épicentre de mon mince et dérisoire séisme vital. C'est ce qui me tient debout et vivante. Et je veux croire que je ne suis pas la seule et que ça a le pouvoir, la littérature, celle qu'on lit, celle qu'on écrit, celle qu'on partage aussi. Ça a le pouvoir d'entrer dans les nuances, voilà, de dire les choses avec la justesse la plus grande, ou de tenter de le faire en tout cas, et d'aider à vivre, et à vivre ensemble aussi. C'est déjà ça, hein. Pour nous amener vers un sujet plus léger, au cœur de ce séisme, il y a un homme qui se tient debout. Appelons-le Gustave. Ah, ben oui. Vous lui avez dédié un ouvrage, celui-ci, Flaubert par Marie-Hélène Lafont, Les auteurs de ma vie. Mmh. Alors, avec Gustave, donc, vous avez un rapport tout de même assez particulier, il faut bien l'admettre.
je vais vous citer là encore. Vous le parlez de lui comme de votre colosse sentimental, votre tendre carnassier. Vous dites à son propos, je vis un peu avec lui, nous faisons bon ménage. C'est facile avec les morts. J'allais dire, Marie-Hélène, vous n'auriez pas un peu le béguin? Ah ben totalement, et même j'ai mis très longtemps à comprendre que je vilipende constamment Louise Collet, donc qui fut sa maîtresse officielle, j'ai mis longtemps à comprendre que j'étais jalouse, tout simplement. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en aviser, bien entendu. Surtout que Gustave était beau quand il était jeune. C'est... Très très beau, très très beau. C'est Maxime Ducamp qui le dit. Hein. Mais toute plaisanterie mise à part, je dis volontiers que Gustave Flaubert, c'est le patron des écrivains morts, et Pierre Michon, le patron des écrivains vivants. Voilà, hein, les deux patrons. Bon, voilà. Dont l'un est plus en forme que l'autre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que la gloire de Flaubert est inextinguible. Hein, et puis, on en a mangé du Flaubert toute l'année dernière, vu qu'il y avait un anniversaire, comme vous savez. Hein, donc, c'était Flaubert, urbi et orbi et and forever. Hein, et moi, personnellement, je jubilais parce que je ne m'en lasse pas. Hein, relecture lancinante d'Un cœur simple, qui pour moi est le sommet, 30 pages. Hein. 30 pages. On n'est pas en overdose. Vous l'appelez le bréviaire absolu. Le bréviaire absolu, absolument. Un cœur simple. Totalement, totalement. Je raconte dans Les Pays, hein, en transposant bien entendu ma rencontre avec ce texte, hein, qui s'est produite quand j'avais 19 ans et qui ne s'est pas produite dans un contexte scolaire. Hein. J'ai d'abord lu Madame Bovary, comme tout le monde, hein, et Un cœur simple, je l'ai découvert plus tard. Donc oui, c'est le patron. À son propos, vous écrivez « en manger par cœur, manger du Flaubert par cœur, de courtes rasades, solides, des jets, une poignée de jets têtus, des ronces, en assénés, en évidés, à ses amis, à ses amants, à ses élèves, à des lecteurs qui n'en peuvent, mais sans réciter à l'intérieur muettement pour soi, quand on ne dort pas, quand on flotte dans le métro, quand on marche dans la rue, sans réciter pour la paix et pour la joie, être nourri d'eux, être adossé à cause de l'imparfait, c'est à cause de l'imparfait. » Qu'est-ce qui provoque en vous cet imparfait de Flaubert? Une sorte de jubilation. C'est un vertige horizontal. C'est du même ordre. C'est exactement du même ordre. J'ai beaucoup de chance, hein, parce que cette jubilation-là, la jubilation du verbe, je l'ai ressentie très très tôt. À l'école primaire, hein, j'avais peu de livres, et le maître, parfois, l'après-midi, je ne sais pas du tout ce qu'il faisait avec les autres, il me laissait prendre dans l'armoire, la bibliothèque, il me laissait prendre un livre, on avait des séries, vous savez, pour lire tous en classe, quoi. Et il me laissait prendre un livre, alors c'était des livres reliés, hein, c'était rouge et doré, je me souviens, la tranche, et je pouvais prendre ce livre, c'était des morceaux choisis, et je pouvais lire en liberté des extraits auxquels je ne comprenais pas tout, loin de là. Pourquoi faudrait-il tout comprendre tout le temps? C'est épuisant, ça ne sert à rien. Hein. Il faut être plongé dans le grand bain. Voilà. Et j'étais plongée dans le grand bain. Bien des années après, j'ai compris que ces extraits, ces morceaux choisis, hein, c'était du Genevoix, c'était Gilles Vallès, c'était Louis Bergaud. Donc c'était de grands prosateurs, c'était de la langue magnifique. Voyez. Et je me souviens d'une jubilation incroyable à mordre dans cette viande-là. Voyez. Il y avait du jus dans la langue. Et c'est une chance que j'ai. Hein, et j'ai toujours eu ça. Voilà. Et évidemment, quand je suis tombée dans Flaubert, alors là... Parce que on sait ce qu'il fait à la phrase, comme il essaie de la pousser à bout, hein, la phrase. Hein. Alors le point virgule, l'imparfait. Alors parfois, c'est trop gras, hein, Salammbô. J'ai une allergie grave. Hein, je l'ai lu aussi, mais quelle horreur. Mais je suis allée au bout. Hein, mais c'est terrible. Hein, voilà. Mais voilà, j'ai mes abcès de fixation avec lui. Je le relis. J'ai régulièrement, vous voyez, des scènes nouvelles comme ça auxquelles je pense et qui viendront s'ajouter parce que le texte qui est là, qui doit faire une quarantaine de pages, il y en a d'abord une première version qui en faisait une vingtaine, puis ensuite une quarantaine, et puis j'ai d'autres scènes, vous voyez, qui viendront s'ajouter. Donc j'en ai pas fini avec lui, et lui, ça lui est bien égal. Hein, donc je peux y aller. Hein, voilà. D'ailleurs, cet ouvrage est à la fois le texte que vous évoquez et ensuite une sélection d'extraits de Flaubert lui-même. C'est le principe de la collection. Hein. Donc, on est invité à écrire un texte totalement libre sur un écrivain fondateur, les auteurs de ma vie. Hein. C'est Giono qui avait inauguré la collection avec Virgile quand même. Hein. Ça a été réédité. Hein. Et pour le coup, dans les années 30, hein. Et pour le coup, ensuite... Michel Butor avait fait Victor Hugo, oui. Paul Valéry avait fait Descartes,
Zweig avait fait Tolstoï, donc vous marchez quand même sur les pas de... Oui, alors c'est terrible. Hein. Bon, enfin, bon, en même temps, j'eusse été très vexée si on ne m'avait pas proposé Flaubert. Hein. J'avais laissé à quelqu'un d'autre, alors là, j'eusse été très vexée. Et en l'occurrence, ensuite, surtout on fait une anthologie complètement libre de morceaux choisis. Et moi, je vous l'ai dit, j'ai été biberonnée aux morceaux choisis. Hein. C'est plus à la mode aujourd'hui, il ne faut pas faire ça. C'est formidable, les morceaux choisis. Évidemment qu'il faut le faire. Hein. Et j'ai adoré les morceaux choisis et j'ai adoré choisir des morceaux dans Flaubert. Hein. Et j'ai mis de la correspondance. Parce que la correspondance de Flaubert, notamment avec sa mère, c'est grandiose. Hein. C'est la femme de sa vie, hein, sa mère. Vous dites que les livres fondateurs ont été pour vous une source de jubilation, mais ça a aussi été une source de frustration. D'ailleurs, l'expression que vous utilisez, c'est « les livres fondateurs, pour moi, étaient des livres qui m'empêchaient ». Or, à l'automne 1996, vous tombe entre les mains un ouvrage d'un auteur que vous avez évoqué, mais un peu brièvement. Ouais. Lequel et qu'est-ce qui s'est passé à cette lecture? Oui, parce qu'en effet, si vous voulez, quand on fait des études de lettres, c'est très intimidant quand même. Hein. Quand vous lisez Flaubert, quand vous lisez Le Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, et un peu de Proust par ici, et voilà, ben vous vous dites c'est pas la peine. Tout a toujours déjà été fait. Hein. De toute façon, je serai toujours infime, voyez. Hein. Donc c'est très intimidant, hein. Très très intimidant. Et pendant longtemps, je suis restée au bord du désir d'écriture que j'avais contracté dès l'école primaire. Et en effet, en 1995, pour mon anniversaire, ma sœur m'a offert un livre dont on avait entendu parler par Alain Finkielkraut dans l'émission Réplique. C'était La gloire des pitres de Richard Millet. Bon, Richard Millet est un immense prosateur, il a une œuvre immense, il a très très mal tourné depuis, ça n'en est pas moins un immense écrivain. Et La gloire des pitres, ça commençait par « En mars, virgule, il se mettait à puer considérablement. Point. Ce sont les morts qu'on n'enterrait pas sur le plateau des Mille Vaches parce que la terre était trop dure l'hiver. Hein. » Et c'est un livre considérable que j'ai lu. Ensuite, j'ai lu L'amour des trois sœurs Pial, du même. J'ai découvert l'existence, que j'ignorais parfaitement, il faut le faire quand même, hein, de Pierre Michon, qui avait publié son livre majeur, c'est Vie celui-là auquel je pensais. Bien sûr, Vie minuscule en 1984. Là, on était 10 ans après. Hein. J'en ignorais même l'existence. Vous voyez, j'ai découvert son existence et j'ai découvert dans la foulée, je les appelle mon triangle des Bermudes, un deuxième triangle des Bermudes, j'ai découvert l'existence de Pierre Bergoglio, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Voilà, les trois. Richard Millet, Pierre Michon, Pierre Bergoglio. Pendant une année, je n'ai lu quasiment que ces trois-là. Ils étaient vivants. Parce que quand on faisait des études de lettres classiques dans les années 80 à la Sorbonne Paris 4, on étudiait quasiment que des écrivains morts. Hein. Et j'avais, moi, une tendance, probablement, à considérer, hein, en tout cas à vivre comme si la littérature était un corpus clos. Mais pas du tout. Ça continue. Voilà. Hein, bon, et il y avait Claude Simon, par exemple, à côté de qui je suis complètement passée pendant des années. Heureusement, je me suis rattrapée depuis. Hein. Mais Claude Simon, il était bien vivant hein, quand j'étais étudiante. Hein. Et même, je sortais du métro Place Monge et il habitait Place Monge. Hein. Il était là, quoi. Il était là en train d'écrire les livres considérables et il a eu le prix Nobel en 85. Tout ça m'est passé complètement au-dessus. Bon, c'est comme ça. Hein. Mais alors, quand je suis tombée sur ces trois-là, waouh. Qu'est-ce que ça a changé? Ah ben, tout. J'ai compris qu'il y avait des écrivains vivants qui étaient en train de faire des œuvres à partir du lieu et du milieu d'où je venais. C'est-à-dire de ce monde paysan, évidé, récuré, raboté par l'exode rural depuis 100 ans. Ils partaient de là, les trois, hein, très différemment, évidemment, c'est extrêmement différent de ce que j'ai fait moi depuis 20 ans. Un, parce qu'ils avaient au minimum une génération intermédiaire, Pierre Michon. Sa mère était déjà institutrice, c'était les grands-parents qui étaient paysans. Et Richard Millet et Pierre Bergoglio, c'était bien plus ancien, le socle hercynien paysan. Hein. Deux, parce que ce sont, toujours, puisqu'ils sont vivants, les trois, des hommes. Pas moi, jusqu'à nouvel ordre. Hein. Bon. Et aussi, les trois m'ont happé complètement, parce qu'ils sont les trois, ce que j'appelle des aventuriers du verbe. Hein. Pour moi, et des travailleurs du verbe. Ce que je cherche, moi, c'est d'abord ça, c'est l'aventure de la langue dans un texte, vous voyez, avant même l'agencement narratif, voire le contenu de l'histoire. Hein. Je ne veux pas vous dire que je m'en fiche complètement, mais Pierre Michon peut me raconter l'annuaire. Hein. Ça me collera au mur de toute façon. Voilà, c'est une question de langue. Voilà. Et donc quand j'ai lu ça, eh ben, je me suis dit, là, ça suffit. J'avais 34 ans, je me suis dit, si tu continues comme ça, tu passes à côté de ta vie. J'ai eu
J'ai déjà employé cette expression, hein, pardonnez-moi, vous avez dû la lire ici ou là en préparant cet entretien avec autant de soin et d'ardeur que vous l'avez fait. Hein. Je dis que j'ai eu le sentiment d'être une vache et de regarder passer le train de ma vie. Or, les vaches ne montent pas dans les trains. Ben, je suis montée dedans. Et j'en suis pas redescendue depuis. Grâce leur soit rendue aux trois. Ils le savent d'ailleurs. Parce que j'ai commencé à écrire. Le tout premier texte, liturgie. Le dimanche matin, il fallait lui laver le dos. C'est une très courte nouvelle que j'ai envoyée à Pierre Michon, parce qu'elle était courte. Hein. Je n'ai plus jamais assommé tel ou tel écrivain de mes écrivaillonneries. Hein. Mais à lui, je lui ai envoyé ces pages, elles étaient très courtes. Et il m'a répondu, en me disant qu'il ne lisait pas les manuscrits que l'on lui envoyait parce qu'il n'était pas éditeur, comme je le comprends aujourd'hui, hein, mais qu'en revanche, il avait lu mon texte parce que c'était court. Et il me disait d'aller, quoi, de continuer, de travailler. Ça a été énorme pour moi. Voilà. Donc j'ai commencé à écrire en octobre 96, et j'ai trouvé un éditeur, mon éditeur, le même, hein, j'en ai pas changé depuis, 4 ans après, en octobre 2000. Et j'ai publié mon premier livre en septembre 2001. Et depuis, j'ai pas arrêté ni d'écrire, ni de publier. Voilà. Ça fait un quart de siècle, quoi. Mais j'ai commencé tard, et j'ai le sentiment aigu d'être... je pense toujours à Aragon dans le roman Inachevé. Je n'aurai pas assez de temps pour aller au bout de moi-même. Voilà, j'ai toujours ce sentiment aigu d'urgence, vous voyez, qui est lié, je crois, au fait que j'ai commencé très tard. Alors que si vous prenez quelqu'un comme Marie Ndiaye, par exemple, qui pour moi est un immense écrivain, qui fait une très belle œuvre, hein, Marie Ndiaye, elle a toujours su qu'elle allait écrire. Et elle a écrit son premier roman à 17 ans. Oh, ça, alors, c'est éblouissant. Ou Laurent Mauvignier, par exemple, qui pour moi aussi est vraiment un écrivain en train de faire une œuvre, hein, il a toujours déjà écrit, j'ai envie de dire, vous voyez. Hein. Et moi, il a fallu que je tourne autour du pot pendant... Bon, c'est comme ça, on fait comme on peut. Pour conclure cet échange, et avant d'en venir aux questions éventuelles du public, je vous propose de lire un extrait. Alors, on est encore un peu hésitant tous les deux quant à savoir lequel on choisit. Est-ce que la conversation que nous venons d'avoir porte votre préférence vers la nouvelle « Le Tour de France » ou plutôt vers l'extrait d'Histoire du Fils ? Bon, je crois que je vais vous lire la nouvelle. La nouvelle plutôt ? On va anticiper sur le Tour de France. Le Tour de France est une courte nouvelle. J'en ai écrit des plus longues. Donc, c'est la page. Oui, c'est bon, je l'ai, merci beaucoup. 253. Ouais. Donc le Tour de France. Au moment du Tour de France, si le temps était sûr, on faisait une pause pour regarder l'arrivée de l'étape. La cuisine restait fraîche. Les volets étaient fermés. D'abord, on ne voyait que des lignes, des creux d'ombre. On était pris, happé, dépouillé, comme d'un vêtement, de la lumière qui écartelait tout depuis le matin autour de la maison trapue. Ensuite, les yeux s'habituaient, retrouvaient les choses à leur place, chacune. Le père allumait la télévision. Elles ôtaient leurs chaussures. Leurs pieds étaient blancs. Une odeur de sueur jeune nimbait leur corps solide. Sur le banc, côte à côte, elles ne se touchaient pas. Une sorte de fatigue chaude et muette coulait d'elles, glissait, s'épandait. Elles arrondissaient leur dos, nuque ployée, elles appuyaient leurs coudes sur la toile cirée beige. Debout contre l'évier, elles avaient bu de longs verres d'eau coupés de sirop de menthe ou d'anis. L'eau venait d'une source profonde, il suffisait de la laisser couler un peu pour qu'elle soit glacée, même en juillet. On l'appelait l'eau de Niarpou, qui était le nom de l'endroit dans les montagnes où naissait la source. On mangeait des pêches et du melon. Le père coupait le melon en petits dés dans une assiette creuse. Il versait du sucre sur les morceaux qu'il piquait lentement pour les porter à sa bouche, un par un, avec la pointe de son couteau. Elle mordait dans la tranche qu'elle tenait aux deux bouts, ou dans la chair du fruit rond qu'elle fouillait de la langue et des dents, les joues creusées,
avide de brandir comme un trophée le noyau oblong, nettoyé, mis à nu, révélé. Le jus, coulait de leur menton sur la toile cirée. Elles préféraient les pêches blanches encore fermes sous le duvet. Elles aimaient la peau et s'étonneraient plus tard de l'avoir dédaignée par des camarades d'internat rompus à l'art stupéfiant de dépouiller une pêche à la fourchette et au couteau. Les mouches s'ébattaient dans le jus sucré. On pouvait retourner sur elles, surprises et engluées, son verre. Elles agoniseraient jusqu'au soir et les plus vaillantes seraient délivrées à l'heure de la vaisselle. D'autres mouches, collées, tressautaient vainement sur les deux rubans torsadés qui pendaient au plafond. Certaines, enfin, se risquaient sous la table où les chiens alanguis prenaient le frais sur les carrelages. Ils étaient deux, mère et fils, noirs et blancs, le pelage lourd, fourni, les oreilles douces, les yeux bruns. Ils obéissaient peu, ne se souciaient pas des humeurs humaines et goûtaient en silence la brèche de quiétude ouverte dans le jour trépidant par l'arrivée de l'étape. Ils soupiraient quand les deux filles de la maison posaient sur leurs flancs étirés quatre pieds nus, légers et caressants. Dehors, l'été crépitait, tendu de bleu, on le devinait cuisant aux articulations des volets métalliques qu'il soulignait d'un trait dur. Tout se taisait et ce silence bruissait parfois autour des lanières du rideau de plastique épais qui garnissait l'entrée du couloir. Elles auraient pu dormir une poignée de minutes, un quart d'heure, le front posé sur les avant-bras croisés comme elles le faisaient dans un jeu qu'elles avaient inventé. Elles n'auraient pas dormi vraiment. Elles auraient imité seulement pour être entre soi et soi, dans l'odeur de sa peau, les yeux fermés, loin, hors monde, pour faire comme si, autrement, ailleurs, pour imaginer, pour partir. Mais, devant le père, elles préféraient ne pas. Elles sentaient sous leurs pieds le corps menu des chiens et appuyaient un peu. Après la collation, qu'elles appelaient les 4 heures, elles prenaient position, ragaillardies, le menton calé dans le creux de leurs mains petites, brunies et rondes qu'elles n'avaient pas lavées. Leurs ongles étaient courts, d'un rose délicat. Elles laissaient se dévider en elles des choses simples. Un vêtement nouveau qu'elles essaieraient le soir dans la chambre. La lettre de la tante Jeanne, qui habitait Paris, et viendrait en août avec des cadeaux. La fête, où elle conduirait les autotamponneuses, l'argent qu'elle recevrait pour avoir travaillé pendant la fenaison, comment elle le dépenserait, comment elles en garderaient une partie, et quelle partie. Elle chevauchait, elle galopait, loin, elle n'avait plus peur, elles oubliaient la colère, personne n'était mort, personne n'avait déserté, elle n'avait pas été laissée. Des cheveux souples et roux flottaient dans leur dos. Leurs yeux étaient verts, leurs dents rangées, leur corps long, leur peau blanche. Elles marchaient sous la pluie d'une ville luisante où on ne savait pas leur nom. Elles avaient étudié. C'était fini. Elles disaient des phrases dans des langues étrangères. Elles avaient un frère aîné. Elles somnolaient près du hublot dans un avion en partance pour la Nouvelle-Zélande qui était de l'autre côté de la terre exactement. Elle n'allait pas sur la tombe. Elle n'était pas obligée. Elle ne serait pas entrée dans la chambre. Elle ne l'aurait pas vue. Le son de la télévision était bas. Le père savait le nom des coureurs. Il parlait surtout du meilleur grimpeur qui portait le maillot blanc à pois rouges. Il commentait les paysages. Il préférait les étapes de montagne. Il regardait si le foin était haut dans les prés, si on voyait des vaches. Il ne disait pas des vaches, il disait des bêtes. Il comparait les pays. Il disait aussi que plus tard, elles pourraient aller partout. Elles iraient chercher ailleurs ce qu'elles n'avaient pas trouvé chez elles.
Elles ne répondaient pas. Elles étaient un peu amoureuses d'Eddy Merckx. Et je me suis rendu compte que les jeunes gens ne savent pas qui est Eddy Merckx. Donc parfois je glose. Alors Poulidor, Eddy Merckx, enfin voilà. Donc Eddy Merckx, donc coureur cycliste belge de son état, si je ne m'abuse, particulièrement coriace, et qui avait une gueule pas possible dans les années 70. 5 victoires. Voilà. Donc entre Eddy Merckx et Anquetil, en effet, Poulidor a eu du mal à se faufiler. Merci beaucoup, Marie-Hélène Lafont, pour à vous. Cet échange. Je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'animer, à le préparer d'abord, à l'animer ensuite. Pierre Bergougnou a dit de vous que vous aviez par capillarité un peu de l'énergie volcanique de l'Auvergne. Et Fabrice Lardreau dit de vous que vous êtes énergique, curieuse et un être empathique d'une totale franchise et d'une droiture assez salutaire. Alors je me joins à ce concert d'éloges en vous remerciant pour votre venue. Et je propose à notre public, si certains souhaitent vous interroger, de poser une question. Oui. Alors, il y a un micro qui va circuler. Chère Marie-Hélène, c'est pour la diffusion en ligne. Ça marche ? Oui, oui. Normalement, ça devrait marcher. Bah, allez-y, parlez bien fort et on va y arriver. C'est bon pour vous ? Oui, allez-y. Allez-y. Bon, chère Marie-Hélène, j'ai lu tous vos livres et quelque chose me frappe dont on n'a pas forcément parlé durant cet entretien qui était remarquablement mené, qui était très riche et qui est assez rare d'ailleurs de voir comment on met en valeur un écrivain. Bravo, bravo. Oui, remarquable, j'en dirai un mot tout à l'heure. Extraordinaire. Il y a un côté de la spiritualité qui se trouve au cœur même de vos textes, qui traite de la question de la spiritualité sans forcément faire de déisme. Et moi, je vous rapproche, je ne sais pas si vous allez bien me prendre, d'un écrivain comme Marie Rouanet, qui a écrit beeucoup sur une terre particulière. Je n'ai lu que Nous, les filles, voilà, de Marie Rouanet. Voilà. Je n'ai lu que ce livre-là d'elle, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Et le corps des femmes. Le corps des femmes, il est extrêmement important dans tous vos livres. Vous savez, ces femmes qui se battent contre... Ces femmes qui se battent, oui. Contre le poids du hasard, contre le fatum. C'est du Giono, ça aussi. C'est Faulkner, Giono, c'est dans cette lumière-là. Et vous savez, ces femmes qui, avec la terre qui colle à leurs sabots, qui ne pourront jamais s'en défaire, porteuses d'eau pour leur vie toute entière. Ces femmes-là, vous les magnifiez par des portraits, des zooms. C'est-à-dire que votre écriture, elle est extrêmement cinématographique, à mon sens. C'est-à-dire qu'on va faire des portraits de groupe, et puis tout d'un coup, on va faire un zoom sur quelqu'un. Et ce zoom sur quelqu'un ouvre des champs de possibilités et des thèmes et des thématiques. Moi, j'avais beaucoup pensé au film de René Ferré, La communion solennelle, quand j'avais lu votre livre. Et je trouve que c'est absolument remarquable parce que ça, c'est à hauteur de femme, c'est à hauteur d'homme, et ça, cela raconte pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus intelligent que ces personnages, et on est extraordinairement en empathie, et ça ne veut pas s'étaler. C'est un style qui se montre pas justement pour ce qu'il est, et c'est formidable. Alors, je vais dire une chose en écho, merci, à ce que vous venez de dire, c'est que... on est à la hauteur de ces personnages, avez-vous dit. Alors ça, j'ai presque envie de vous dire que ça fait partie du cahier des charges. J'entends par là que, j'ai dit tout à l'heure, j'avais eu le désir d'écrire très tôt, et que les circonstances ont fait que j'ai grandi à une époque, c'eût été très différent si j'étais née en 1927 ou en 1999. Je suis née à ce moment charnière où cette paysannerie-là était donnée comme moribonde. Voilà. Et donc, j'ai toujours su que si j'écrivais, j'écrirais du lieu et du milieu d'où je venais. Et que, c'est pour ça que je dis que ça fait partie du cahier des charges, si je
me mettais à vouloir inscrire, et écrire, c'est la même famille de mots, hein, inscrire une trace de ces façons d'être au monde, infime, dérisoire, hein, jamais portée en gloire ni mise en valeur, hein, eh bien, il fallait que ça sonne juste, il fallait que ça fasse honneur, il fallait que ça n'enjolive pas, et que ça rende compte au plus juste et au plus serré, hein, de la matière d'un monde en train de s'abolir, voilà, et de tomber dans l'obsolescence. Voilà. Et pour ça, j'ai la langue comme matière et comme outil. Donc le juste mot à la juste place, sans, comment dire, sans surplomb, sans jugement. Il n'y en a aucun, dans aucun de mes livres. Parfois, je fais un peu la maligne avec la langue, voilà, parce que agrégation de grammaire, parce que j'ai les moyens, parce que voilà, bon, de temps en temps, on ne peut pas s'en empêcher. Vous trouvez, bon, ça, hein, on ne peut pas s'en empêcher. De temps en temps, j'ai la syntaxe un peu carabinée, hein, j'en ai bien conscience. Et le vocabulaire, hein, bon, j'appelle ça, c'est mon côté bling-bling, hein, voilà. Mais, dans la même phrase, il va y avoir un mot comme ça un peu, vous voyez, térébrant, avonculaire, enfin, voilà, hein, un mot qui claque un peu, et il va y avoir « accamper », vous voyez, les vieux mots de la tribu. Hein, voilà. Et c'est à moi de faire en sorte que les deux prennent place dans le rythme naturel de la phrase. C'est mon travail, un travail de langue. Voilà, hein. Et j'essaie d'être au plus juste. Et un jour, Pierre Bergogneau, après avoir lu Joseph, m'a écrit en me disant « Ton Joseph, ouvrier agricole, hein, c'est la vie d'un ouvrier agricole, Joseph, c'est le plus nu de mes livres, probablement. Hein. Ton Joseph est un monument de justice et de justesse. » Ça m'a plu. Voilà, je me suis dit, peut-être que je n'ai pas trop mal travaillé. Sans doute un très bon moyen d'exprimer à l'instant ce que vient de dire oui. Jean-Rémy à propos des femmes et du corps des femmes. Oui. Puisque vous m'avez dit, Marie-Hélène, que vous aimiez lire, j'ose vous demander de lire ce passage-là qui est extrait de la nouvelle Alphonse et qui est le moment où Yvonne entre... Celui que vous avez mis entre crochets ? Tout à fait. Qui est court, mais qui est le moment où Yvonne entre en état de désir. Ah ouais, alors le corps des femmes, hein, ça c'est toute une affaire. Surtout que je viens d'un monde où il y avait une partition homme-femme. Hein. J'ai mis longtemps à comprendre à quel point j'étais décalée. Quoi. Quand j'ai débarqué à Paris en 1980, c'était comme si je venais des steppes de l'Asie centrale et comme si j'avais été élevée en 1932. Voyez, alors que 68 était passé par là, mais moi je ne l'avais pas vu à Saint-Flour, hein, 68. Yvonne et Alphonse avaient oublié cela s'ils l'avaient jamais su. Yvonne changea. Elle ne devint pas belle. Elle n'aurait jamais de seins, ni de croupes, ni rien de tout ce qui accroche le regard des mâles et les fait se dresser. Elle ne devint pas belle, mais elle entra en état de désir. Son corps était définitivement celui d'une vieille enfant, mais elle se savait regarder et cela se vit. Tous ne le virent pas. Parce que les uns et les autres soupçonnaient à peine qu'Yvonne, sanglée de blouses incertaines, harassée de corvées ménagères, pût avoir un corps. Yvonne avait toujours été de la cuisine, souillon promise aux eaux de vaisselle, penchée sur les buées des lessives sempiternelles et comme née d'elle. Par la grâce du regard d'un homme, elle se mit à attendre, à espérer, à vouloir, et sa façon même de marcher, de déplacer l'air autour d'elle, d'aller et de venir entre le fourneau et l'évier, s'en trouva infléchie. Une tension légère, imprimée à sa chair maigre, habita ses hanches, son cou, sa nuque, ses mains. Elle cessa d'être intouchable et il y eut un homme pour s'en apercevoir. On ne dira pas ce qui se passe ensuite. Non, vaut mieux pas. Madame, je vous en prie. Merci pour ce partage. En vous écoutant, j'ai remarqué une expression que vous avez utilisée plusieurs fois, qui est une expression qui peut avoir un sens très littéraire ou alors très philosophique, hein, qui est peut-être une expression qui est pour vous un sens particulier, en tout cas elle a une signification particulière. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Cette expression, c'est une façon d'être au monde. Mmh. Oui. Je crois qu'elle me vient... Cette expression du sentiment d'insularité qui m'est constitutif, voyez, qui est géographique et sociologique.
Au fond, quand on a commencé d'être, si chacun, nous demandons, chacun d'entre nous qui sommes ici, nous essayons de remonter comme ça aux sources de soi-même, c'est-à-dire aux sensations qui accompagnaient le moment où on a commencé à avoir prendre conscience d'être, d'exister. Voilà. Moi, quand je prends conscience d'être, je suis plantée dans cette ferme, au bord de la Santoire. Il y a des prés, il y a des bois, il y a du vent, il y a des saisons, il y a des vaches, il y a des adultes, plus ou moins extrêmement opaques, pas rassurants du tout, les adultes. Les adultes deviennent rassurants quand j'entre à l'école. Alors là, c'est le devisement du monde. Il y a une forme, pas une mise en ordre, il y a une mise en forme du monde qui commence avec l'école. C'est pour ça que j'ai adoré l'école et que l'école m'a adoré. Et je n'ai jamais quitté, je suis encore professeur aujourd'hui. Vous voyez. Et je crois que ce que j'appelle une façon d'être au monde, c'est tout ce qui tisse nos jours, du premier au dernier. Le travail, les désirs, les attentes, les gestes, et la façon d'en user avec son corps, de s'asseoir, de marcher, de travailler, de se taire. Ça, c'est très, très fondamental. Je viens d'un univers dans lequel être au monde, c'est aussi savoir se taire. Ça ne veut pas dire qu'on ne parlait pas. J'aime pas beaucoup l'expression « taiseux ». On parlait autour de moi quand j'étais enfant ou adolescente. On parlait des autres. Ça, c'est typique de la vie de village. Et de la vie de famille aussi. On parlait des autres et on parlait du travail magnifiquement. On parlait jamais de soi. Donc il y avait, si vous voulez, il y avait une densité particulière du silence. Voilà. Ça faisait partie de l'existence. C'en était une donnée incontournable. Voilà. Et je ne sais pas si je réponds à votre question, parce qu'elle est immense, mais je crois que une des raisons pour lesquelles j'ai mis si longtemps à écrire, c'est qu'il m'a fallu franchir cet interdit-là, transgresser cet interdit. C'est-à-dire l'interdit des mots sur l'intime, sur le soi. Or, écrire du lieu et du milieu dont on vient, c'est d'une intimité totale. Même si je ne mets jamais les tripes sur la table dans mes livres, on n'est pas du tout dans le registre de l'autofiction. Il n'empêche que c'est d'une intimité totale. Voyez. Donc, partagé et total. Donc, j'ai un rapport à la littérature, encore une fois celle qu'on lit et celle qu'on écrit, qui est d'une ambition démesurée. Parce qu'il faudrait tout embrasser. Tout embrasser. Tout l'être au monde. Donc, c'est à la fois inépuisable et définitivement impossible. Quelqu'un souhaite-t-il poser une question ? S'il vous plaît, en tout cas, ça donne une très belle énergie. Ça donne une énergie magnifique. Merci, madame. Monsieur, vous avez vu la lumière qu'on a là ? C'est quand même incroyable. Question pratique. J'ai été chercher ma femme dans votre pays. Ah. Vous veniez de naître. Je l'ai toujours. Et par contre, j'ai découvert ce pays parce que je venais de la Bretagne. Et toutes les rencontres, le patois était très présent dans les années 60-70, et encore chez quelques-uns actuels. Et vous n'en faites pas du tout allusion, vous parlez des expressions que vous avez. Oui. Bien que ma femme n'ait jamais parlé le patois non plus, parce que les filles ne le parlaient pas. Oui. Je vais vous dire de quoi il retourne pour cette question. C'est une sacrée question, évidemment, parce que c'est une question de langue. Donc moi, je suis née en 62. Donc vous voyez, des traces totalement paysannes. Mes parents ne parlaient jamais patois devant nous, nous les enfants. Ils parlaient patois entre eux quand ils ne voulaient pas être compris, et ils parlaient patois au téléphone avec leurs parents, qui étaient à l'autre bout du département, que nous voyions à peu près une fois par mois. Voilà. Donc, je l'ai peu entendu finalement. On vivait donc dans cette ferme qui était comme une île, donc de façon relativement isolée finalement. Donc, je l'ai peu entendu.
Ma sœur, mon frère davantage, mais ma sœur et moi, ma sœur est professeure d'histoire-géographie à Clermont-Ferrand, nous en avons, vous voyez, nous avons un petit lot comme ça de mots qui sont devenus une sorte de langage, vous voyez, comme on a parfois avec ses frères ou ses sœurs, vous voyez, une sorte de, voilà, de on a comme ça des formules, en quelque sorte. Hein. On va se dire, par exemple, au téléphone, hein, pour conclure une conversation téléphonique un peu longue, comme ça, nuitamment, on va se dire « Bait jair pawafen », va te coucher pour vos femmes. À l'heure qu'il est, hein, il faut arrêter la conversation. On va se dire ça en patois, mais c'est tout ce qu'on... Enfin, elle, elle est mieux que moi, elle a un meilleur accent. Hein, mais c'est tout ce qu'on sait, vous voyez. Donc, voilà, c'est très... En revanche, dès que j'ai commencé à écrire, j'ai vu surgir des expressions très singulières, très imagées, qu'on m'a tout de suite fait remarquer, mes lecteurs. Et tout de suite, j'ai pensé que ça vient de là. Hein, parce que le français que me parlaient mes parents, hein, surtout pour parler du travail, était émaillé d'expressions tout à fait particulières, tout à fait singulières. Mes grands-parents aussi, d'ailleurs. Hein. Et j'avais l'oreille, quoi, je crois. J'étais aux aguets. J'ai toujours été aux aguets. Hein, voyez. Et donc, un grand nombre des expressions particulières que j'ai, hein, viennent de là. Donc, la langue que j'écris n'est pas du tout une traduction, hein, de, évidemment, du patois. Je ne le maîtrise pas. Mais en revanche, elle est, j'ai presque envie de vous dire, une partie de son jus vient de là. Ça, j'en suis absolument persuadée. Et la syntaxe que j'écris est très travaillée aussi, hein, par le long compagnonnage que j'ai, hein, avec la période latine, avec le latin. J'enseigne le latin, j'enseigne le grec, et j'en ai mangé, hein, du latin et du grec, vous voyez. Et la syntaxe de ma phrase est marquée par ça aussi. Or, c'est un retour aux sources, en quelque sorte. Puisque le patois tel qu'il est parlé en Auvergne, en tout cas, hein, il est greffé directement sur la langue latine. Hein. Quand j'étais enfant, en cinquième, j'avais écrit dans une rédaction « Claver la porte ». Oh là là là, oh, je me suis fait assassiner, la prof, enfin bon, j'en ai pris plein les dents. Elle a pensé que j'avais fait exprès, par provocation, comme j'étais une très bonne élève. Elle ne pouvait pas imaginer une seule seconde que moi je croyais que « Claver la porte », c'était du français. Hein. Mais oui, c'est du français, sauf que voilà, c'est du latin en fait. Hein, clavis, la clé, claver la porte, on disait claver la porte chez moi, hein, pour fermer la porte. Et moi, j'avais écrit dans la rédaction, vous voyez, hein. Donc, voilà où j'en suis avec cette affaire-là. Hein. Mais c'est une question qu'on me pose tout le temps. Et pour le coup, moi, je ne connais plus, hein, de... Si, je connais un couple qui a à peu près 70 ans, qui parle comme ça, le patois, de façon fluide, limpide dans la vie quotidienne, vous voyez, hein. Et quand je les rencontre, ils s'amusent, hein, parce qu'ils voient bien que je ne comprends pas tout. Hein. Et ma grand-mère, la mère de ma mère, qui était une conteuse née, hein, elle racontait des histoires en patois. Tout le monde mourait de rire. Après, elle nous les traduisait. C'était beaucoup moins drôle, on le voyait bien. Je pense qu'elle les censurait, hein, en plus. Hein. Mais c'était beaucoup moins drôle. Hein. Donc le jus était là. Hein. Voilà. Bon, il est perdu. Et puis pour qui a une fois traversé le Cantal, il y a le slogan du coca local, l'Auvergnacola, oui. Faitot pétard miladio. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais bon, ça pour moi, vous voyez, C'est rien. Ouais, c'est du folklore, quoi. Mais bon, je comprends, un pays, voilà, il faut que les gens vivent, quoi. Hein. Vous voyez, c'est facile quand on vit à Paris, etc. Moi, j'essaie de pas du tout adopter de surplomb, vous voyez, justement, non plus par rapport à ce que font les gens sur place pour essayer, voilà, de gagner leur vie, de vivre dans le pays, etc. J'ai pas du tout ce rapport qu'on a parfois au pays qu'on a laissé, qu'on voudrait retrouver dans l'état dans lequel on l'a laissé quand on avait 20 ans et qu'on est parti faire sa carrière à Paris. Ben non, les pays continuent sans nous, hein. Ils nous attendent pas. Hein. Et ensuite, ben voilà, c'est parfois un peu difficile de recoller les morceaux de l'histoire. Hein. Allons-y pour l'Auvergnacola. Hein. Moi, j'aime pas ça, mais bon. Oui, notre sol. Absolument. C'est ce que vous dites. Ouais, c'est le langage et notre sol. Ouais. Nabokov, c'est magnifique. C'est Novarina. Le langage est notre sol, notre chair. Je me représente toujours le chantier comme un creux, une ouverture du sol et l'avancée d'un texte, sa progression comme une marche en montagne. C'est Valère Novarina, un auteur contemporain, un magnifique auteur de théâtre, assez allumé, mais qui a une langue grandiose, hein, que je cite en exergue de l'Histoire du Fils. Qui souhaite encore poser une question ? Madame. Madame. Voilà, écoutez, bonjour, je vous remercie beaucoup, parce que là, vous venez de raconter mon histoire.
Mais moi, j'ai plusieurs années plus que vous. Donc, j'ai connu ça dans les années 50. Mmh. Et j'ai vécu à peu près la même chose dans le Berry. Mmh. Parce que je suis périchonne. C'est très générationnel, ce que je raconte. Hein. Oui, oui. Voilà, et c'est pour ça, d'ailleurs, que mes livres ont trouvé... Parce que vous avez peut-être une question à poser, madame, avant que je vous... Avant que non, je mais coupe c'est la parce parole. Qu'aujourd'hui, effectivement, j'ai des enfants, mais j'en ai une qui, par exemple, me dit « Mais tu n'as pas honte de dire que tu es fille de paysan ?» Ben, et pourquoi? Voilà, et elle ne veut absolument pas que ça se sache. Bon. Eh bien, écoutez, j'espère pour elle qu'elle arrivera à accepter que ça se sache. Ça finira par se savoir. Ça finira par se savoir, madame. Oh oui, mais, bien sûr, on le sait. Mais vous voyez, quand j'ai commencé à chercher un éditeur, j'ai eu du mal à trouver un éditeur au début, hein, et parce que ce n'est pas du roman de terroir que j'écris. Ce n'est absolument pas du roman paysan. C'est tout à fait autre chose, pour des questions de langue, essentiellement, évidemment. Et les éditeurs auxquels j'ai envoyé mes textes voulaient me rencontrer, et me faisait comprendre que, selon eux, c'était de la littérature, ce que j'écrivais. Déjà, ils s'attendaient à voir arriver une nonagénaire et gros tante. Hein, ils ne comprenaient pas du tout d'où je sortais, ni sociologiquement, ni voilà. Hein, j'avais pas tout à fait 40 ans, d'une part. Et d'autre part, ils ne voyaient pas du tout. Ça, ils ne me le disaient pas. Mais je le comprenais. Ils ne voyaient pas du tout à qui ils allaient vendre ça. Or, au fond, petit à petit, de façon très lente, mes livres ont trouvé place parce que, notamment, c'est générationnel. Hein, parce que le socle hercynien paysan, encore une fois, il est là. Hein, voilà. Et le nombre de lectrices ou de lecteurs, madame, qui m'ont dit, peu ou prou, avec des variantes, toutes les variantes possibles, hein, ce que vous me dites là, hein, y compris ceux qui sont citadins depuis plusieurs générations et qui, encore une fois, n'ont jamais vu une vache de leur vie et éventuellement n'en ont pas envie. Hein, loue du bout des dents un gîte, hein, en trouvant que franchement il fait froid le soir, hein, et sont des citadins invétérés, n'empêche que le socle. Voilà. Ben moi j'ai emmené mes petits-enfants voir les vaches et les cochons pour qu'ils le sachent, parce que quand ils mangeaient de la viande, ils ne savaient pas, pour eux c'était comme des chiens, quoi, ils ne savaient pas. Moi j'ai des élèves citadins, hein, j'enseigne à Paris, j'ai des élèves citadins qui ont 14 ans, c'est à mourir de rire, hein. Le verbe faner. Fané, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bon, je suis tout à fait qualifiée pour leur expliquer. Hein, voilà. Vous voyez, oui, c'est évident que... Alors, et j'ai remarqué que certains d'entre eux, pour le coup, qui, parce qu'ils ont, je ne sais pas moi, leurs grands-parents dans le Lot, hein, ont, au contraire, un rapport assez incarné comme ça et réitéré à ces choses-là, hein, n'osent pas forcément le dire. Voilà. Hein. Bon, n'empêche que... voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la littérature... ça fait socle. Bien entendu, c'est complètement générationnel, Annie Ernaux aussi. Les années, à mon avis, c'est son plus grand livre, et c'est générationnel. Hein? Et il est évident que si j'étais née en 1937 comme ma mère, hein, ou en 1914, hein, eh bien, la vie que j'ai là, que j'ai pu m'inventer, d'écrivain, hein, elle me serait passée sous le nez. Hein? Non. Oh, pop, pop, non, je crois non, que si. Non, non. C'est au fond de vous, ça. C'est Pierre Bergugnou qui le dit. Non, non, non. Il dit que c'est la révolution mécanique. Non, qui a fait qu'on a pu partir. On n'est pas du même avis, alors. Écrire pour ne pas mourir, c'était votre crédit. Mais ça aurait été beaucoup moins facile. Ouais, ça aurait été pas facile, mais vous y serez. Je ne suis pas certaine. Regardez Marie-Aimée Méraville. Qui ça? Marie-Aimée Méraville, dont vous avez parlé tout à l'heure. Hein. C'est une femme écrivain, née tout près de l'endroit où j'ai grandi. Hein. Famille moitié paysanne, moitié commerçant. Hein. Elle avait une grande force dans l'écriture. Elle est devenue institutrice et elle a vécu toute sa vie à Saint-Flour. Elle n'a jamais réussi à s'arracher. Hein. Elle a publié quelques livres, vous voyez, mais c'est resté sous le boisseau. Et Marcel Delpastre. Oui. C'est immense, Marcel Delpastre. C'est un immense écrivain. Quasiment personne ne la connaît. Elle n'a pas pu s'arracher. Et je ne suis pas certaine, mais j'aime bien que vous me disiez ça avec cette vigueur. Mais j'en suis pas certaine. J'aimerais le croire. J'en suis persuadée, c'était au fond de vous, mais quoique les chemins auraient été peut-être plus compliqués à prendre, mais vous auriez écrit. On se dirige petit à petit vers les conversations post-conférence. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une dernière question? Peut-être? Non? Mais moi, je souhaite dire une chose. D'abord, je me suis régalée dans cet endroit magnifique, avec cette lumière magnifique et ce jeune homme magnifique à tout point de vue.
C'est franc d'honneur. Vous le fûtes aussi. Merci beaucoup d'être venu. Vous pouvez retrouver les ouvrages de Marie-Hélène Lafont, comme d'habitude, grâce à notre partenariat avec la librairie aixoise Le Blason, et poursuivre l'échange et éventuellement vous faire dédicacer un ouvrage. Merci beaucoup.